are the righteous. We are the virtuous, and we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Et bonsoir à tous, on est en direct ce soir sur Radium avec l'équipe au complet de Roll the Dice pour ce soir reprendre sur des Genesis là où nous étions arrêtés. Donc ce soir je suis toujours en compagnie de Louis. Bonsoir tout le monde. Adrien. Bonjour et bienvenue sur What's the Game. Ah, non, et Béatrice. Bonsoir tout le monde. Ainsi qu'Alexandre, notre MJ préféré. Bonsoir. Et donc ce soir, il a comme prévu de nous tuer. Hein, c'est faux. Enfants que nous sommes. Non, c'est faux. Alors comme c'est faux. Toujours. Je ne serai pas pour l'instant responsable de meurtre d'enfants à la radio. Voilà. Bon, d'accord. Ce soir, on ne meurt pas, Inch'Allah. Si vous décédez, ce sera uniquement et entièrement de votre faute. Je ne prends aucune responsabilité là-dessus. Ah, ok, d'accord. Oula. Et donc ce soir, on va reprendre là où on était arrêté, c'est-à-dire au début de cette grotte. Moi, Mirof, était descendu malencontreusement. À cause de Dragan et de notre magnifique ami, si on peut appeler ça comme ça, Ivo. Essaye de me tuer. Tu as l'air bien parti, je te laisse faire un résumé un petit peu plus en arrière également de ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes là en fait ? Alors, nous étions ensemble réunis chez moi, chez mes parents dans le jardin, avec Ivo, Ivo, Mira et Vulk. Qui étaient tous ensemble en train de jouer. Il s'est avéré que Dragan est arrivé. Du coup, Mira a fait un magnifique plaquage. S'en est suivi de disputes entre Reste Dragan. Reste dans le résumé quand même. Oui. Ouais, bon, suivi d'une longue dispute. Ah, je me rappelle, jusqu'à 27 minutes 03. Ah, c'est bon. Donc, il y a eu cette magnifique dispute. Dragan nous a montré un petit objet fort intéressant qui s'avérait montrer des tunnels. Et il disait que ça venait des failles et qu'il était allé le voir avec son frère. On s'est disputé longuement sur le sujet et il s'avérait que Mira et Ivo sont partis pour aller à la faille avec Dragan. Vulk et moi, on a voulu les en empêcher. Et malheureusement, il s'avérait que j'ai été entraîné via des magouilles de Mira dans la grotte, involontairement. Non, t'as juste... Oui, enfin, toi, du coup, ça nous a séparés du groupe. Et toi, du coup, t'as eu peur et tu as sauté dans la grotte. J'essaie de bonifier la chose pour moi. C'est marrant, comme la version officielle est très, très différente de ce que tu racontes. Chut. La vérité est très étrange. Écoute, j'essaie de sauver mes biches. Voilà. La vérité est toujours moins glorieuse. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Merde. Moi, je voulais pas en être là, ok. Voilà. Alors la question, c'est pourquoi aussi il ne voulait pas aller dans les failles, il voulait pas qu'on. Je pense que c'est la vraie grosse question. C'est la grosse question que tout le monde se pose. Parce que il s'avère que dans les traditions du village, les personnes qui vont dans cette faille sont mises à l'écart en fait de la population. Ils sont bannis. Non, ils sont mis à l'écart. Ils sont bannis. Ils sont bannis du village. Ils sont mis dans une espèce d'un coin dans la vallée. Où... Oui, enfin, ils restent dans la vallée. T'as dit qu'il y en a, ils sont ça vraiment. Ça reste bannis du village. Hein. C'est pareil, hein, plus ou moins. Ouais, mais il y a un truc plus grave, c'est être banni de la vallée. On va pas les voir, en fait. On sait pas. Sauf qu'ils sont morts. C'est mieux qu'être banni de la vallée. Des fois, il y a peut-être des gens qui vont rapidement, par bonne conscience, donner 2-3 trucs. Mais si on les chope, ils risquent de les rejoindre, quoi. Donc c'est pour ça que nous n'étions pas, que nous ne voulions ouais, pas. Ouais, voilà, t'es pas déterminé. Surtout Lubo Mira et moi, évidemment, hein, puisque en tant que digne enfant de... Ouais, ouais, enfin, Mira, elle s'en battait les couilles, j'aurais été en mode... Ouais. En attendant, Mira, elle est pas descendue dans le trou. Ouais, à cause de qui ? De son frère. Parce qu'elle la tient là. Grâce pour l'instant, apparemment. Grâce à son frère. Ouais. Il y a quand même eu des tentatives de meurtre dans cette cave pour l'instant. Hein. Oui, ah, t'inquiète, je suis pas encore dans la cave. Pour moi, c'est que des tentatives, j'ai envie de dire. Donc c'est que les tentatives. S'il n'a pas eu de passage à l'acte, pour l'instant il n'y a rien eu. Oui voilà, il n'y a rien eu. C'est exact. Puis en même temps des enfants qui s'entretuent, c'est pas... Oui, moi... Bah, vous restez des enfants quoi. Moi je vais pas tuer, je vais juste assommer. Hein. C'est pas... Ouais, avec un caillou dans la nuque quoi. Si tu as lancé une pierre entre les deux yeux, ça l'aurait tué aussi. Hein, j'ai visé pas les yeux, j'ai visé son corps, ou plutôt lui en général. Ça finit dans la tête. Pas ma faute, c'est que j'ai tapé le coin de la tête. Ouais, c'est... bref. Ouais, le coin centré, je veux dire. Non, tout ça pour dire que le MJ n'a pas besoin
de lever le doigt pour que nos persos enfants meurent. On se occupe tout seul, comme des grands. Ils sont très forts. Moi, je voulais les mettre dans la merde, mais ils le font tout seuls. Ouais, pas besoin. Ils me volent mon travail. On est grand, c'est bon. Et j'ai encore pris mes cours sur le dos de ma feuille de notes de JDR. Tout va bien. Génial. Alors, on va pouvoir reprendre. Ouais. Je comprends la musique, s'il vous plaît, monsieur. J'étais en train. Bravo la régie. Hein. J'en connais un régisseur de What's the Game Today qui est quand même plus efficace. Hein. Ouais. C'est quoi What's the Game Today ? C'est bon, j'ai jamais entendu parler. Voilà. Oh, carrément, c'est quoi ça ? Pour rappeler rapidement donc, les noms de vos personnages pour les gens qui nous écoutent, oui, nous avons du coup Louis qui joue Vulk. Tout à fait. Greg qui joue Mirof. Exact. Adrien qui joue. Ivo. Ivo, voilà. Tu t'en souvenais vraiment pas ou tu faisais exprès ? Non, ça me revenait, parce que je l'ai écrit deux fois dans l'article aujourd'hui. Ivo, je l'ai dit. Et Béatrice qui joue Lubomira, dit aussi Mira pour plus de facilité. Ouais. Je ne respecte pas son prénom. Exactement. Quel prénom aussi. Alors, du coup, comme on le disait, vous vous retrouvez avec la moitié du groupe qui était descendu dans ces espèces de tunnel, de faille, donc Ivo, Mirof, malgré lui, avait accompagné du coup Dragan, et vous étiez arrivé dans cette espèce de très très grande salle sous terre, alors que vous, de votre côté, Lubomira et Vulk, vous étiez toujours à l'extérieur, avec ce sursis que vous leur avez laissé jusqu'à ce que le soleil tombe, ce qui vous permettait... de leur laisser un petit peu de temps avant de retourner au village et raconter aux adultes, comme pour reprendre vos mots, ce qu'il s'est véritablement passé. Alors du coup, on va commencer par le groupe de Dragan, Mirof et Ivo. Vous êtes tous les trois, en bas, dans cette grande pièce, avec cette espèce de gros panel central, d'une forme assez hexagonale, un peu rond hexagonal, avec ces espèces de trucs. Toi, Ivo, t'étais en train d'essayer de taper sur des espèces de boutons. T'avais l'air de voir des espèces de boutons, t'essayais de taper dessus et il se passait rien de spécial. D'accord. Moi, je venais tout juste d'entrer dans la salle. Si La lumière, elle éclaire vraiment toute la salle. La lumière, c'est juste la torche que tient Dragan, donc ça éclaire vraiment pas toute la salle. D'accord. On n'a pas d'autre moyen de lumière que la torche Dragan. Bah, étant donné qu'il n'y a que Dragan qui a récupéré des affaires avant de venir. Je voulais. Il a été prévoyant, lui. Et, je voulais, on n'avait pas le temps. Et du coup, il n'y a que lui qui, pour l'instant, a une source de lumière. D'accord. Bah, du coup, je me retourne vers Dragan et je dis bah, tu sais à quoi tout ça sert ? Non. Et regarde, mais c'est quand même vachement cool. Hein. Ouais, c'est cool. Et regarde là-bas. Il te montre des endroits, il y a d'abord plusieurs autres tunnels qui s'enfoncent plus profondément dans le souterrain. Là, on peut peut-être aller voir ce que c'est, je sais pas. Ou là encore, il y a deux passages. Et tu l'avais trouvé où Moi, j'avais trouvé ça ici. Il t'approche, regarde, viens voir. Et il te montre du coup cette espèce de grand panel central que t'étais juste à côté. Ouais. Il te montre à côté, il y a des endroits qui. Il y a une espèce de rond qui est pas marqué par la poussière. Qui signale qu'il y avait quelque chose. Et il n'y a pas d'autre vraiment très récemment. Et non, il n'y a pas de truc vraiment similaire sur l'endroit. D'accord. Tu remarques que ça a l'air d'être un truc qui peut peut-être être accroché, bloqué, clipsé dans cette espèce de grand panel. Dis-moi, Dragan, tu l'as toujours sur toi le disque au rond ? Bah, bien sûr, si je ne l'ai pas pris, qu'on ferait ici ? On peut peut-être essayer de le mettre là, ça a l'air d'aller dedans. Et c'est là que je l'ai pris en fait. Et ça marchait ? Il y avait quelque chose qui bougeait avant que tu le prennes ? Non, mais ça avait l'air de se détacher, donc je l'ai détaché et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et puis voilà, initialement, je voulais dire que c'était moi qui l'avais fabriqué parce qu'on n'a jamais vu un truc comme ça depuis nous et ça était quand même vachement sympa. Mais on voit des choses quand on regarde à travers, on peut essayer de voir si on voit des trucs différents aussi ? Ouais. D'accord. Il sort du coup, il commence à fouiller dans sa sacoche. Tu fais quelque chose de particulier, toi, Mirof ? T'es également dans la salle. Tu vois tout ce qui se passe sous tes yeux. J'essaie de voir s'il n'y a pas de. Je lui demande si je peux prendre. S'il n'y a pas un autre bâton ou si je peux prendre sa torche pour voir s'il n'y a pas une autre source de lumière. Alors, ma torche, jamais tu la prends, t'as voulu l'éteindre deux fois. Ben oui, j'ai voulu l'éteindre quand il y avait encore une source de lumière pour me repérer, mais là, il n'y en a plus du tout en fait. Donc la torche, l'éteindre maintenant, ça serait complètement idiot. Tu trouves pas ? Ouais, mais tu sais, quand on parle de toi. Hein. Papa! Je ne dis rien. J'essaie de rester le plus. Il te dit ça en faisant une espèce de sourire un petit peu mesquin, amusé. Bon, je vais t'aider à chercher un autre bâton si tu veux faire de la lumière.
On l'aurait fait donc ça, ouais, plutôt. Moi, ouais, je veux le Discord. Tu fais attention à Ivo. Hein. Oui, tu parce casses que pas. Ah non, non, j'ai vraiment. Je l'aime bien, le disque. Il te le donne, c'est un peu à contre-cœur. Ouais, je comprends. Et vous commencez du coup à chercher une autre source inflammable dans cet endroit-là. Et du coup, je lui parle, je fais. Dis-moi, la dernière fois que tu es venu avec ton frère, vous y êtes resté longtemps ? Non, on est juste allé rapidement comme ça, parce qu'on y a été. À la va-vite ? Ouais, c'est pour ça, on voulait revenir un petit peu après, et on était juste rapidement. Ok. Et on n'avait pas trop le temps. En fait, c'est moi qui avais glissé dans les trous, et mon frère était venu me chercher, et puis on a vu ça. Et du coup. C'était cool. J'ai très envie de crier très très fort pour entendre les échos, mais je me dis c'est tellement la pire idée. De votre côté, qu'est-ce que vous faites pour l'instant, Vulk et Lubomira? Ben moi je commence à m'ennuyer, je suppose. Ça fait pas énormément de temps que vous êtes là, mais effectivement là pour l'instant il y a pas grand chose à voir autour de ce trou là, à part bah, y a toujours les bêtes qui sont en train de se balader derrière vous, qui peut plus ou moins vous captiver pendant un moment, et puis après vous voyez que c'est une routine un petit peu des animaux qui tournent pour l'instant. Il fait toujours bien jour quand même, mais il y a rien de particulier pour l'instant qui se manifeste autour. Ça s'ennuie vite en plus des enfants. Mon frère, je m'ennuie. On peut rentrer si tu veux. Non. Quoique. D'accord. T'as plus mal à ta cheville ? Je précise, tu as toujours mal à oui, ta cheville. Oui, j'ai toujours mal à la cheville. Ouais. Je fronce les sourcils devant ce revirement très soudain. Puis je la regarde partir d'un air un peu. J'ai pas dit que je partais. Ah ! Je la regarde en fronçant les sourcils comme ça. Pourquoi tu veux rentrer tout à coup ? Tu veux pas les attendre jusqu'au coucher du soleil ? Oh bah non, quitte à, on peut les rejoindre. Bah tu proposais de rentrer. Ça m'a surprise. Rentrer au village. Non, mais non. Mais oui, mais non. On s'ennuiera encore plus. Parce qu'en plus, on va se faire disputer. Maman, elle nous a déjà, dit, toi, maman, pourquoi fallait pas qu'on aille dedans, en fait. Alors oui, peut-être que c'est venu au cours des discussions. C'est pas forcément votre mère qui vous en a parlé, mais plutôt au gré de légendes que vous avez su que directement en fait dans ces grottes, ce serait directement un passage vers une espèce d'enfer qui est juste en dessous de la tribu. C'est pour ça qu'il faut pas y aller à moins d'y périr en fait. Vous y périrez, c'est très dangereux. Il faut vraiment pas y aller sous aucun prétexte. Et c'est pour ça qu'il y a une sanction si élevée si jamais on apprend que des gens y sont allés. Ça fait pas de sens. C'est pas logique. Non, je suis pas là. Donc. Faut qu'on trouve un moyen de descendre de toute façon. Ouais, puis, pas dit qu'elle scène a encore une demi-heure. Donc. À un moment donné. Oh, le roleplay. Non, mais c'est ça aussi. Enfin, non, mais t'as le temps de pas y aller. Il hein. y avait une petite réflexion qui pouvait se faire. Et pour la réflexion du pourquoi les gens sont installés si proche de l'enfer, en fait. Pourquoi est-ce que les gens sont vraiment bannis? C'est pour les éloigner et avec tout ce qu'ils auraient rapporté de mauvais, en fait. Moi, je me suis dit dans le sens là où si on est censé y périr, à quoi ça sert de bannir des gens qui sont censés pas revenir? S'ils reviennent, tu les mets à l'écart, quoi. Ouais, tu veux pas que s'ils reviennent, ça veut dire que peut-être ils ont découvert quelque chose que c'est pas justement le temps l'enfer que ça, tu vois. Mais ils sont contaminés en fait par l'enfer. Ouais, mais je me dis ça peut être les deux sont des arguments valables. Ouais, mais donc voilà, si je commence à trop m'ennuyer, je. Tu crois qu'ils sont en danger? Voilà. Ouais, on n'entend pas crier. Ça crie, non, quand... C'est vrai. Pourquoi j'ai pas crié à ce moment-là? Ça aurait été parfait. Ouais, mais bon, voilà, si à un moment donné je commence à trop m'ennuyer, donc tu peux me faire faire des jets de je sais pas quoi. D'ennui, de résistance à l'ennui. Voilà, de pulsion, si tu veux. D'accord. Voilà, et à un moment donné, ben, je descendrai si jamais. Ok. Oh, moi, je crois rien. Je regardais dans. J'ai quand même. De temps en temps, essayer de balayer les alentours du regard, voir si je croise pas des chasseurs, des... Ouais. La patrouille du mur, je pense pas, mais des adultes en Fais-moi fait. Un test de perception, s'il te plaît. Instinct plus perception. Ouais. Bah, c'est... Ah. Ça passe, ceci dit.
je crois. Hein, je réfléchis rapidement. C'est 1, 2, 3, un échec. 4, 5, 6, une réussite. Et 6, un succès. C'est un succès. Très critique, donc un déclencheur. Ok. Tu regardes un petit peu autour de toi, donc tu vois toujours ces animaux et tu as l'air de voir au loin peut-être deux ou trois chasseurs qui sont en train de se balader dans la forêt, qui approchent des plaines. Tu les vois qui avancent furtivement pour récupérer des animaux qui sont quand même relativement lâchés de manière sauvage ici. Et du coup, il y en a qui a l'air de s'approcher un peu de l'endroit. Regarde. Apparemment, il y en a qui viennent par ici. J'ai un petit coup de coude comme ça. Regarde là, par là. Je regarde. Effectivement, tu vois qu'il y a l'air de voir quelques silhouettes dans les bois. Qui ont l'air de s'approcher par ici. Je peux faire un jet de personne, moi aussi, pour essayer de voir un peu plus. Tu veux, vas-y. Ah, la pire idée. Quoi? Non, vas-y, vas-y. Une réussite, seulement. Ouais. D'accord, donc... Exactement ce que je viens de te dire, tu vois des silhouettes dans les bois, tu reconnais plus ou moins quand même des arcs, donc tu peux admettre que c'est potentiellement des chasseurs, qui ont l'air de se déplacer plus ou moins par là, sans faire trop de bruit. D'accord. Ça se trouve, ils ont des cordes? Et on peut leur dire que c'est pour autre chose, on peut leur mentir. Oui, mais comme quoi? Moi, je pense. Pour attacher à Ivo à un arbre et le taper. Mais ils vont jamais nous donner une corde pour ça. Ah. Tu sais pas mentir, grand frère. J'apprendrai, je pense. Ça a l'air vachement utile, le mensonge. Foreshadowing. Souvenez-vous de cette phrase. C'est ça. J'ai créé un monstre. Et à ce moment-là, tout a basculé. D'accord, donc pour l'instant, de votre côté, Ivo, tu es toujours en train d'essayer de fixer la chose. Fais-moi, s'il te plaît, un test de connaissance des artefacts. Ah, tu veux dire le truc que j'ai enlevé quand intellect et connaissance des artefacts, exactement. Quand j'ai refait ma fiche, yes, super. Une réussite. Ok, d'accord, tu commences à fixer. L'appareil dans son socle. D'accord. Ça a l'air de rentrer dedans. Comme si ouais, c'était juste vraiment comme il l'avait dit, bien ici qu'il l'avait récupéré. Je fais très attention, j'entends un bruit particulier, quelque chose qui s'active, je sais pas. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Mirov, du coup, t'es avec. Oui, c'est Mirov. Oui. Tu es avec Dragan en train de chercher. Et puis, vous allez finir par trouver un autre espèce de morceau de bois. Et du coup, là, il te fait, tiens, vas-y. Et puis, je le prends et j'essaie de le mettre. Ouais, il t'aide à l'allumer. Ça prend vous un mettez temps, un peu de. Voilà, il déchire rapidement un petit peu ses vêtements. Oh, c'est pas grave, hein, je dirais que je suis tombé. Et il enroule rapidement autour de son truc et il allume ta torche. Okay. Du coup, une autre source de lumière également. J'ai fait une réussite. Si tu veux. Rien de spécial. T'entends rien de spécial, Ivo. Si tu veux, j'essaierai de te choper des chutes. Est-ce que c'est ce que j'ai dans ma poche? Ok. Bon, si moi j'entends rien, j'essaie de. Je le retire. Ok, tu retires sans problème. Quoi. Et du coup, je regarde à travers parce que je sais qu'il y avait des trucs pour voir si je peux voir quelque chose du particulier. Ouais, fais-moi un test de connaissance des artefacts. Toujours avec intellect. Hein. Super. Ouf, deux réussites. Il y a qu'un 6. Tu vois, pareil, ça a l'air de se réallumer. Et. T'as l'air de voir des deux espèces de tunnels qui s'enfoncent, pareil, ces espèces de longs traits que tu avais vus la première fois quand tu avais vu à l'extérieur, qui avait l'air de passer sous la vallée et dans les montagnes, qui ont l'air de poursuivre comme si tu étais dans ces lignes de traits en fait. D'accord. Et je vois quelque chose de particulier au loin. Il y a l'air d'avoir des endroits où t'as l'air de pouvoir voir plus ou moins des épaississements, comme si ça te montrait des cavités plus larges plus loin. D'accord. Donc il y a deux passages. Il y en a un qui est exactement en face de l'endroit où vous êtes arrivé. D'accord. Et un qui est directement sur la droite de l'endroit où vous êtes arrivé. D'accord. Et pour l'instant, ils sont en train de chercher. Ils viennent, tu vois, qu'ils viennent d'allumer une seconde torche. D'accord. D'accord. Et c'est quoi la cavité qui s'élargit la plus proche? C'est ce qu'il y a en face ou Alors, les deux sont vraiment formés très différemment. D'accord. Celle qui a l'air d'être atteignable la plus rapidement et la plus facilement, celle d'en face. D'accord. Bon ben. Et ça a l'air de ressortir plus loin. T'arrives pas à le voir, c'est trop loin. C'est assez confus comme. Ouais, en plus je dois être en face, du coup ça doit faire genre. Voilà, c'est ça. C'est enfin, bizarre. Assez bizarre. D'accord, ok. Bon, je sais où on va aller alors. Vous de votre côté, en extérieur, Vulk et Lubomira. Vous voyez, du coup, c'est chasseurs qui ont l'air de s'approcher de plus en plus du lieu où vous êtes.
A priori, ils vous ont pas encore remarqué. Mais ils sont en train de s'approcher de l'endroit de la zone. Qu'est-ce que vous faites ? Le choix est là. Tu crois que si on leur dit, ils pourraient aller les attraper avant qu'ils aillent trop loin ? Non, faut pas leur dire. Là, ils sont déjà allés trop loin. Sauf que viens, si on leur... viens, on se cache. Il doit y avoir des cailloux, non ? Bah, vous êtes à côté de des espèces de petites cavités rocheuses, donc oui, il y a des cachettes. Bon, là, je veux dire, la plus évidente, c'est dans le trou, oui, mais après, évidemment. Autour, vous avez également des possibilités de vous cacher plus ou moins bien. Ouais. On se cache. D'accord. Faites-moi tous les deux un test d'agilité plus furtivité. Ah, je vous jure, si vous faites des échecs critiques, là. 2-6 et 1-3. Oh. Moi, je m'attendais à qu'elle fasse un truc différent. Échec. Échec ? Simple, échec simple. Ok, d'accord. Tous les deux, vous dites on va se cacher, on se séparer, toi tu me rates. Ça aurait été beau, un échec critique d'être comme ça. Donc vous commencez à vous dissimuler plus ou moins derrière ces espèces de broussailles qu'il y a autour, ces espèces de petits cailloux. Donc toi tu arrives bien à te cacher par petit avec ton problème. Toi tu te caches. Je suis caché. Voilà. La question c'est est-ce que moi je vois comment il est caché, je fais... Ouais. Viens. J'essaie de prendre des leçons de ma petite sœur à cache-cache. D'accord. Donc j'essaie de me tasser un peu plus. Ok. D'accord. Tu montres ou alors une meilleure cachette ou je sais pas. Le test de perception. Réussite critique. Les mecs c'est des chasseurs donc. Ouais, c'est vrai que ça. Ils continuent à s'approcher. Pour l'instant, ils ont l'air d'être plus focalisés sur les bêtes que sur vous. Mais il se rapproche. Bouge pas. Au pire, je sais comment leur dire. Pourquoi ils viennent là ? Pourquoi ils quitteraient la forêt ? Et ils sont pas dedans, les bêtes. C'est eux qui s'occupent de ces bêtes-là aussi, celles qui nous tournent autour depuis tout à l'heure. Là, ça, c'est des bestioles sauvages, un petit peu. Donc, vous vivez d'un élevage, mais également de. Bah, de oui, voilà, donc c'est pas normal. D'animaux qui sont locaux, en fait. Donc, c'est pas anormal qu'ils soient ici. D'accord, parce que là, ils avaient l'air de se diriger franchement vers la grotte. Non, ils se dirigent vers la zone, et du coup, vu le grabuge qui a été causé par le dwarf précédemment, les bestioles sont peut-être un peu trop proches de la grotte. Ah, bah oui. Tu crois qu'ils vont nous trouver ? Ils vont forcément nous trouver, c'est des chasseurs, ils trouvent tout. C'est leur métier. Lance un caillou sur les. On va les encercler avec des flammes et vous suicider. Mais non, mais tu balances un caillou sur les. Bah non, sur les animaux. Mais je veux pas leur faire de mal aux animaux. Mais ça va pas leur faire mal. Ok. Du coup, tu lances un caillou. C'est ça ? Il y a vraiment un animal à porter par contre dans cette caillou parce que si le truc il est à 200 mètres, je vais pas l'avoir quoi. Il y a des animaux que tu penses que tu peux avoir. Alors quand je dis un caillou, on est d'accord, c'est un caillou. Hein. Oui, mais c'est un petit caillou. Là, oui. Juste pour effrayer l'animal. Ouais. Il va foncer dans ta direction. Fais-moi un test de agilité plus arme à projectile, s'il te plaît. Échec. Okay. T'as un dé sur tout, en fait. J'ai un dé, donc ça va vite, hein, mais... Pourquoi est-ce que t'as mis tes points hein? Ok. Tu lances le caillou. Ça touche par terre. Il y a un des... chasseurs qui tourne la tête vers le caillou, comme ça, qui regarde. Ah, je pensais pas qu'ils étaient si prêts pour voir un caillou de cette taille, en fait. Il l'a entendu, je pense. En fait, ça a un petit... sur le... C'est quand même vachement rocailleux à l'endroit. Donc Ouais. Vous avez pas joué à beaucoup de jeux d'infiltration, vous. Quand je jouais à ça, j'avais des points d'infiltration. Là, je les ai pas, là. Il y a vraiment à distance. Et il y a certaines bêtes qui, du coup, se retournent un petit peu pour voir ce qui se passe au niveau du caillou, quand même. Je les ai pas touchés. Tout le monde s'est retourné vers vous, quoi. C'est... Non, vers le caillou. Vers le caillou. Comme ça ? C'est le seul caillou. Que faites-vous ? Chut, on reste caché. D'accord. Vous en bas ? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Alors... Ivo, t'as trouvé un truc alors avec le rond ? Oui ! J'ai vu plein de choses, ça a l'air trop cool, venez voir. Ah ! Il te suit. Je me rapproche, mais je regarde un peu la zone, comment c'est situé, et s'il n'y a pas des choses par terre ou d'autres trucs je pourrais, qui a l'air intéressant avec ma torche. Oui, d'ailleurs, je voulais demander, avec le rond, si je regarde en dessous et directement vers les objets, ça me montre juste les galeries à côté, quoi. C'est pas... Tu vois rien en dessous. Ok, du coup je montre à Dragan.
et je lui montre du coup les deux chemins. Et je dis, regarde, si on prend le chemin d'en face, il y a un truc qui de grandit un peu plus et c'est plus rapide. Je peux revoir pour voir? Vas-y, vas-y. Yarn. Ah ouais. Peut-être qu'il essaie de toucher un petit peu au pif comme ça, les trucs. D'accord. Tu fais t'éventrer la grotte. Merci, Dragan. Ah ouais, ça va être pratique. D'accord. Du coup, on va où? Moi, je dirais qu'on va en face. Mais il faut se dépêcher parce que les autres nous attendent. T'as essayé d'appuyer sur les boutons? Je lui montre le. Bah ouais, regarde, ça fait rien. Et du coup, j'arrive devant lui, j'appuie sur le bouton. Ok. Ça se passe rien. Non, rien du tout. Mais vous avez essayé. Oh, il y a un truc que j'ai pas essayé par contre. J'ai pas essayé d'appuyer sur les boutons alors que le truc était en train de chanter. Ça venait de là. On est d'accord. Ouais, j'ai essayé de le remettre à l'intérieur, l'endroit où il venait, mais ça. Et t'as appuyé sur les boutons une fois que ça y était? Ah non, j'y ai pas pensé. On peut essayer. Ouais, je sais pas. T'as appuyé, Dragan, quand vous êtes arrivé ici, t'as appuyé avant de retirer le cercle ou pas? On a fait ça très vite, je sais plus, peut-être. On peut essayer vite fait, peut-être que ça va faire quelque chose de cool. Peut-être que ça peut éclairer l'endroit, hein. Ah ouais, comme au village, les boules de lumière. Ouais. Ouais, 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 on va essayer. Du coup, il remet dessus. Vocabulaire. Bon, j'appuie, hein. Allez, hop, j'appuie. J'imagine tellement bien nos persos se cacher, d'un coup un grand flash qui sort de la grotte. Ah merde. Vous appuyez. Ça passe quelque chose. J'essaie de voir. Rien d'apparent, pas de lumière qui s'allume. J'essaie de voir si s'il y a pas genre de voir le disque, si on peut pas le tourner ou tout ça genre. Fais-moi un test de intellect plus connaissance d'artefacts s'il te plaît. Putain, j'y ai pas pensé. Un déclencheur. Ok, d'accord. T'arrives à légèrement tourner le truc. Waouh. Je vois ça, je fais « Ouah, vas-y, essaye, il faut tresser les trucs !» Rappuie. Je rappuie en même temps. Il y a Dragan, il bourrine le bouton, là. J'essaie de continuer ce que j'ai ça fait. Ça fait quelque chose ou pas? J'essaie d'entendre et de me concentrer sur ce que je vois dans les galeries, de savoir si ça fait des trucs. J'essaie de continuer à pivoter, éventuellement, ou de légèrement tirer, pivoter, crac, comme ça. Ça y allait trop fort, mais et voir, ça fait des petits trucs, tu vois. Il faut juste que ça clique. Rien de plus. Y a pas un clic. Essaye de tourner jusqu'à que ça reste clic. Du coup, ouais, j'essaie de tourner en approchant l'oreille pour entendre. Non, ça se passe rien de plus. Ok. C'est juste un. Y a du jeu en fait, quoi. C'est juste y a du truc comme ça. Du coup, je retire le truc et je vois que ça fait quelque chose au niveau du cercle en regardant dedans. D'accord. Donc tu l'avais déjà allumé le cercle ou quoi? Non, mais j'avais vu comment okay, ça. Ok, fais-moi un test de connaissance de l'artefact, s'il te plaît. Ça marche pas. Un déclencheur. Oh, allez. Tu l'allumes, ça se rallume comme tu l'avais déjà vu. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on rate. Vous autres à l'extérieur, il y a toujours du coup les chasseurs qui sont présents. Vous en voyez un qui encoche une flèche et qui profite du coup de l'état de stupeur des bêtes. De la flèche qui va se planter dans une des bêtes qui commence à essayer de partir en fuyant. Et une autre flèche qui l'atteint tirée par un chasseur qui fait tomber la bête. Et il se rapproche de la bête qui du coup elle est vachement plus proche de vous. Est-ce qu'on a l'habitude de voir du sang, des animaux blessés, enfin... Bah, vous avez l'habitude de les manger. Bah après, oui, mais je veux dire... Les chasser, vos parents sont pas chasseurs. Non, vous mais autres. Non, mais les chasser, est-ce que quand on se balade dans le village, il y a des poulets qu'on est en train de découper? Non, en général, c'est pas fait au milieu du village, quoi. Non, c'est fait à l'extérieur, vers chez moi. Ok. Parce que mon papa, il est chasseur. Ton papa, il m'amène les poux après. Yeah. Yes. Je m'autorise un jet de... volonté. Cet homme qui va jusqu'au bout. Cet homme qui est prêt à... C'est normal, moi je... À casser tout. Cet homme qui est prêt à tout vous faire échouer. Qui est prêt à vriller. Pour le réalisme. Et toi, que fais-tu, Lubomir? Ça va, volonté. Je vois qu'il se rapproche. Et la vache. Ça va devenir vraiment... vraiment compliqué à se cacher là. Ouais, tu vois, que deux pour toi. Bah, sachant que sur les deux chasseurs qui sont ici, peut-être qu'ils... S'ils sont tous les deux bien occupés à ramasser la bête, ils ne verront pas. J'ai de succès. Mais s'il y en a qui regardent un petit peu autour, ouais. Ça va être complexe. Mais c'est pas grave, on va rester cachés. D'accord. S'ils sont encore assez loin, en fait, pour que je puisse murmurer à mon frère quelque chose. Tu peux encore murmurer. Je lui cache problème. Les yeux d'ailleurs. D'accord. J'ai une idée. En fait, il. Je le dis pour les gens qui verront peut-être pas la webcam, mais il a fait ça juste pour montrer qu'il avait 7 dés à balancer. Hein. Alors, je l'ai vu, il voulait juste. Non, pas du tout. C'est juste que je mets mal à la place d'un enfant s'il voit une bête tout près de lui qui avec des effusions de sang, avec une espèce de douleur. Tant qu'ils l'ont pas dépecé, t'aurais dû garder ton jet de volonté. C'est vrai, il la dépêche vomi, donc je te dis tout de suite, je tire même plus les dés. Quoi. Ils vont faire la schlac comme ça. Incroyable. Alors,
Je t'en prie, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Voilà, c'est bon. Ah. Je sais pas s'il m'a entendu, mais... Je reste caché. Voilà. D'accord, parfait. Donc tu les vois qui se rapprochent également de la bête. Qui est la bête s'en prenne, donc. Qui est vachement plus proche de vous. Moi, depuis le début... C'est capable de laisser ma petite soeur blessée. Hein, Ok. D'accord. Vous autres, toujours en bas. Toujours en bas. Que faites-vous? Vous avez récupéré le disque que vous avez fait. J'essaie de rester juste avant de partir. Je dis bon, ça sert à rien, on va y aller. Mais juste avant, je reste appuyé sur un bouton longtemps pour voir si ça fait quelque chose de particulier. Non. Ces boutons, c'est un piège en fait. C'est... Je regarde vite off. Je leur fais bon, on va à un tunnel. On y reste pas longtemps, ok? Mais vraiment pas, parce que là, je sais pas s'il fait jour. Hein, donc. Ouais, mais T'inquiète pas, On va à celui d'en face, il y a une sorte d'endroit là où ça se réouvre et c'est le plus rapide. Ok. À ton avis, ça s'ouvre le panneau en dessous? Il y a des boutons, mais peut-être qu'il y a quelque chose en dessous? J'en sais rien, ça ressemble à quoi? C'est un grand. C'est quelque chose vraiment d'une forme vraiment bien ancrée au niveau du sol. Comme fixé, ça a pas l'air d'être ouvrable comme ça facilement, on va dire à main nue quoi. T'as un tournevis? Toujours sur moi donc. Non, je sais pas, j'essaie de. J'imagine que je peux pas faire de G ou quoi que ce soit pour essayer de deviner à quoi sert tous ces trucs, ça a l'air. Non, c'est des choses que t'as pas vraiment. Le système en lui-même, t'as pas l'air. Ça a l'air d'avoir un truc où tu appuies sur des boutons et un endroit où tu peux fixer des choses. Je pense qu'il manque une source d'alimentation quoi. Et je doute que après le disque il marche, il a l'air de marcher en autonomie, donc normalement ça pourrait être la source d'alimentation, mais même en mettant le disque en appuyant sur le bouton, il y a rien qui se passe. Comme quoi j'essaie de donner un petit coup dedans du pied, tu sais, c'est de la pierre à mon avis, tu vas juste te casser les pieds. Ça, il y a un bruit métallique quand tu fais des coups dedans. Je dis non mais laisse tomber, c'est compliqué, moi j'y comprends rien. On va au truc d'après, on va devant. On va... Mais bon, si ça avait pu nous mettre de la lumière, ça aurait été bien. Bah ouais, j'aurais bien voulu, mais moi je sais pas trop comment. À part si t'as une autre idée, moi on a tout essayé là. Bah on fait vite. Bon, très vite. Ouais. Mais du coup, moi je vous dis, j'ai pas été plus loin, donc là on va voir des choses, là ça va être super, et moi je découvre aussi maintenant. T'ouvres la marche et je ferme la marche, comme ça on a deux points de vue. Ouais, et moi je mets au milieu du coup. Ouais. Ouais, en fait ça. T'apprends jamais toi, hein. Allez, on y va. Et soyez attentifs, hein, on sait pas. Si c'est moi qui avais la lumière, je partirais devant en courant. Hein. On sait pas s'il y a pas des. Des quoi? Ah oui, des ours. Je me rappelle. Pas forcément des ours, mais il y a des trucs plus petits. Hein. Genre, ouais, t'imagines. Parce que les ours, j'y crois quand même pas beaucoup. Hein. T'imagines un loup ou je sais pas. Ah, mon papa, il est chasseur, il m'a dit qu'il y avait rien dans les cavernes. Ah bah ça veut dire qu'il va dedans, papa? Ah non, mais c'est juste qu'il est chasseur. Du coup, il sait ce genre de choses. Ah. Ouais. D'accord. Il peut pas forcément savoir, hein. Bah, si, il sait. Il est jamais allé dedans, hein. Parce qu'il est chasseur. Ouais. Il sait où sont les bêtes. Ah, oui, mais c'est vrai qu'il il chasse des trucs agressifs, hein, ton papa. Ouais, bah oui. Mais là, du coup, il y a rien dans les cavernes. Parce qu'il y avait des trucs dans les cavernes, bah, apparemment, il pourrait sortir. Et du coup, il saurait. Mais qui te dit que ça se nourrit pas de certaines personnes qui vont dedans? Bon, y a pas cette personne, y a personne qui va là-dedans. Hé hé hé. Ouais, bah oui, c'est vrai, y a personne. Hein. Ouais. Bah oui, y a que nous quoi. Moi, genre, ils vont mourir les animaux s'ils mangent pas. Quand on revient. Ouais, bah oui, on est aussi impliqué. Allez, on y va. Ouais. On se dépêche, allez, je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Du coup, vous commencez à avancer, dans ces tunnels. Vous voyez des choses écrites un peu au niveau des murs. Pas dans notre langue, j'imagine. Vous reconnaissez des initiales un petit peu sur des murs OEU. Des initiales que vous avez déjà vues, plus ou moins avec des espèces de symboles, il y a d'avoir des étoiles un petit peu autour. Vous avez déjà vu ça dans le temple du village. Ok, d'accord, je vois ce que c'est, j'ai compris. Dans le temple, il y a ça? Ouais, dans le temple, il y a un moment où sur un des murs du temple, il y a ça au fond, autour de tout ce qui... D'accord. Et le temple, c'est pour vénérer quoi, en général? Vous voulez, basiquement, pas mal de divinités vachement naturelles, la montagne... Ouais, justement, c'est pour ça que ça m'étonne. La montagne, l'eau... D'accord. Mais c'est dans l'architecture du temple, du village. Okay. Ah, ok. Regardez, il y a comme dans le temple. Ça veut dire qu'il y a les dieux qui sont là-bas. C'est-à-dire que c'est une bonne chose. On n'est pas sûr. Bon, faisons vite. Allez, on fait allez, vite. On court. Ah bon, on court. Non, on court pas. On trottine un peu. D'accord.
On fait attention quand même là où on marche, j'ai pas envie de trébucher ouais, ou de tomber sur quelque chose. C'est pour ça que je dis contre-routi, on ne court pas. Parce que je fais attention du coup, moi je suis extrêmement, comme je porte rien, je suis ok, focus. D'accord. Pour revenir à Vulk et Lubomira qui sont toujours à l'extérieur, vous êtes toujours cachés, donc vous allez moi faire s'il vous plaît un test d'agilité plus furtivité. Réussite. Une seule ? Bah j'ai qu'un dé donc... De réussite. Terrible. D'accord. Les chasseurs sont désormais arrivés au niveau de la proie. Et il y en a un qui commence à regarder la proie, enlever les flèches comme ça. Vous entendez... putain, c'était vachement agité aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui commencent à regarder un petit peu sur les côtés. Moi, je sais pas. Regarde un peu sur les côtés autour. Qu'est-ce que vous faites? Je bouge pas. Clairement. C'est comme les T-Rex, si on ne bouge pas, ils ne nous voient pas. D'accord, donc vous êtes bien en train de pas bouger. Limite, on respire plus. Ah, clair. Une apnée assez... Ouf. Même pas les oreilles. Ouf. Oui, oui, oui. 18 réussites de percept. Cette réussite critique. Attends, j'ai l'impression de voir des traces là sur le... Ouais, traces de pas. Dans la neige en plus. Il y en a un qui s'approche un petit peu... un peu plus vers vous. Qui regarde sur le sol essentiellement. Alors, Taillot. Est-ce qu'on les connaît? Genre, est-ce qu'on connaît leur nom? Est-ce qu'on a des relations de avec eux? Perception, s'il vous plaît. Il va y avoir mon père dans le tas, ça va être terrible. S'il y a son père, attends, s'il y a son père, je sors. Ah non, je non, le dis non, tout non, de suite, non, s'il non. y a son père, je sors. Il connaît le visage de mon père, il l'a déjà vu ou pas? Voilà, instinct et perception. Village, Oh ouais, mais même. Échec critique. Une réussite. Ah, il va voir vraiment mon père. Alors non, c'est deux chasseurs que vous ne connaissez vraiment pas. Vous avez déjà rapidement vu leur visage, ils doivent être du village. Mais après, ils ne vous connaissent pas spécialement qui vous êtes. D'accord. Sont vos parents, ils connaissent pas vos noms, vous connaissez pas spécialement leurs noms non plus. Ouais, on est les enfants de Zlata quand même. Ouais, mais. Non, voilà, pas spécialement. Le mec, il pense que c'est les chouchous, quoi. C'est parce que c'est le cas. Ah ouais, t'es enfant d'une sous-matriarche quand même. D'une sous-matriarche. Matriarche. Je vais vraiment t'en souvenir dans ta. Je vais mettre des cailloux, c'est pour pas qu'ils ressortent. Il est loin, celui qui est à notre recherche ou pas? Il est encore assez éloigné de ce que vous avez vu, c'est qu'il est s'est plus éloigné de la grotte pour aller à plus un endroit où c'est pas encore trop rocailleux, pour comme s'il avait vu des traces en fait dans le sol où c'est encore de la terre. D'accord. Qui s'éloigne un petit peu en faisant ça. Ok, d'accord. Pour l'instant. Ok. Non, on bouge pas. D'accord. Pour l'instant. Ok. Donc vous, à l'intérieur de cette caverne, de ces tunnels, vous continuez d'avancer. Il y a des espèces de symboles pareils sur les murs d'autres textes. Il y en a de revenir. Des textes un petit peu comme effacés, érodés par beaucoup de temps. Il y a vachement aussi de poussière dans l'endroit. D'accord. Et du coup, je dis Dragan, je pourrais voir le cercle quand on marche, au moins je vois la suite. Ah oui, vu que comme ça, tu tiens pas. Ouais, voilà. Tiens, il te donne le cercle. D'accord. Bah, du coup, j'en profite, je regarde un peu en avant. Fais-moi un test, s'il te plaît, de intellect plus connaissance des artefacts. À chaque fois. Avec un bonus de 1, parce que tu l'as déjà utilisé. Ok. Oh putain. Alors j'ai fait une réussite mais j'ai 2-1. Alors je sais pas. D'accord, si ça va plus. C'est un échec. Je regarde comment il le manipule. C'est un échec normal. Je comprends plus. J'ai l'impression qu'à chaque fois je comprends pas. T'as ouais, 1 ou pas? Parce que j'avais noté. J'ai 2-1 ouais. J'ai noté. Ah c'est 2-1 que tu as? Oui. Ah c'était un échec critique. Ok. Bon, tu fais tomber l'appareil. Non. Il tombe sur le sol. Ah oh, j'hallucine. Mais qu'est-ce que t'en fais? Le dragon se retourne. Qu'est-ce que ça fait Yvon? Non mais il a trébuché du main, ça va bien. C'est cassé. Tu sais pas. Non, je le prends. Je fais laisse-moi faire un peu. Mais non, toi tu vas faire tomber aussi. Donne-le-moi. Non, calme. Calmez-vous. J'essaye de le faire marcher doucement. Mais t'as une torche. Je lui passe ma torche et j'essaye de le faire marcher doucement. D'accord, fais-moi un test s'il te plaît de intellect plus connaissance des artefacts. J'ai le bonus ou pas moi? Non. Ah merde. Ah j'avais. Et pourtant j'ai réussi à 2 et là j'ai fait un. Ouais non. Tu vois, ça bouge plus du tout. On dirait juste une espèce de morceau de pierre. Là, je crois bien que tu l'as cassé, hein. Oh non. Vas-y, non, vas-y. Ah non. Tiens, je te prends la torche. Allez, marche.
Non, non mais attends, regarde, je me suis juste. Il m'a glissé demain, regarde. Le regard du trahi, quoi. Je peux le refaire marcher, regarde, redonne-le moi, je te jure, regarde, je le refais marcher, je sais comment ça marche. C'est juste, j'ai juste fait glisser des mains, c'est tout. Mais oui, mais c'est tombé par terre. Ça fait... Ça marche plus. Mais si, regarde, c'est juste toi tu sais pas faire. Attends, donne-le-moi, vas-y, tu vas voir, je vais pouvoir le faire. J'ai dit, regarde, pose-le par terre, au moins il tombera pas. Pose par terre, il est tout tremblotant. Ok, je vais essayer de le rallumer. Est-ce que je peux essayer de le rallumer? Je reprends la torche, du coup, essaye. Comme ça. Deux ou j'ai toujours le bonus? Non, tu n'as plus de bonus. C'est bon de faire. 1 et 3. Ça ne marche pas du tout. Pourquoi j'ai réussi avant et je marche, ça réussit plus là? Non, mais c'est pas vrai. J'ai commencé à avoir la goutte de sueur. Ah bon, si, termine l'expédition. On le garde. On le garde et on essaiera de le voir plus tard. On essaiera de le remettre sur le pilier, c'est juste qu'il a plus de batterie, je suis sûr. Bah, il a plus de d'énergie, à moins il marche plus tout de suite, mais il va remarcher. Ça va le réparer. On en a pas besoin. On en a pas besoin, de toute façon, c'est tout droit, c'est pas grave. Mais tu l'as cassé. Mais non, je l'ai pas cassé, je suis sûr que ça remarche sur. Mais il marche plus. Mais c'est parce qu'il a plus de... Il faut le recharger. Bon, avançons. Question de l'or. On a conscience d'ailleurs du principe de batterie, de recharge d'énergie des objets? Une conscience d'énergie, oui, parce que votre village est alimenté par ces boules de lumière. Vous ne savez pas les détails de comment ça marche. D'accord. Mais vous ça va remarcher si on le remet sur le socle. Voilà. C'est de là que ça vient. En général, vous savez que quand c'est relié au bon fil, ça marche. D'accord. Voilà, parce que là, s'il n'y a pas relié à des fils, non. D'accord, ok. Ça. Faut juste le voir. J'essaie de me repérer dans le monde. En fait. Il y a Dragan qui est vraiment. Il a un visage, mais au moment où tu as fait tomber le truc, il est mort de l'intérieur. Je ramasse et je dis allez, on y va. Ne perdons pas de temps. Tu te rends compte que c'est à cause du bonus que j'ai eu ça. Si j'avais eu 2D, ça serait pas passé comme ça. Du coup, je le ramasse, je fais allez, ne perdons pas de temps, on regardera ce soir. Mais il l'a cassé. Mais non, mais on va le remettre sur le socle. On réparera ça. Non, mais je suis désolé, mais. Allez. Il est pas cassé. Go, on perd pas de temps. On leur a dit, on sort avant la nuit. Allez, sinon on fait demi-tour maintenant. Hein. Pourquoi le seul échec critique que j'ai fait, il a fait que ça maintenant? Vous voulez faire demi-tour maintenant? Non. Moi oui. Allez, on y va, on y va, c'est pas grave, on va le réparer. Merde. Il est pas cassé. Si, il est cassé par contre. Allez, vite. Et là, on continue. Allez. Il commence à avancer. Allez, courage d'un homme. En trottine. Vous avancez, puis vous voyez des espèces de grosses portes sur votre gauche. Ouais. Et ça continue tout droit? Et ça continue également tout droit. Oh, on s'arrête? Ça aurait été bien utile là, le jouer. Bon, oui. on fait celle-là, hein, et après on rentre. Oui, mais. Ouais. Non. Pourquoi? Mais on peut continuer encore. Bah, on verra si on a le temps. On verra si on a le temps, mais. On ouvre. Si elle est grande, on apprend. Je veux savoir là. D'accord. Tu commences à. C'est fermé? À ouvrir. T'arrives pas à l'ouvrir. Je force un peu, je pousse comme ça. Moi, un test de force, s'il te plaît. Je vais t'aider. De toute façon, tu sais que t'es bon à rien avec tes mains, toi. 5 et 6. Voilà. D'accord. Et c'est également, ça bouge pas. Bon, d'accord, ça a pas l'air de bouger, quoi. Sortez-vous! Miraf avec ses gros bras. C'est vrai que Miraf, il a des gros bras. On essaie de pousser à 3, du coup. Je me dis que je vais donner un coup d'épaule. D'accord. Pour moi, test, c'était je donne une torche et. Physique plus force. Physique plus force. Même moi, du coup, je le refais ou pas? Puisqu'on l'aide. Tu veux le faire tout seul ou tu veux de l'aide? Je propose, s'il y en a un qui déterre de le faire avec moi, quoi le faire? Un coup d'épaule? Bon, bah j'essaye aussi avec un coup d'épaule, hein, si ouais, tu en force. 5, 5 et 1. Deux réussites. Une réussite. Ça ne bouge toujours pas. Ok, je fais. Attendez, j'essaie de tirer la porte pour voir. Ça ne fait rien du tout non plus. Non, ça a vraiment bloqué, tu entends? Je regarde s'il y a un emplacement, t'as lui de serrure ou autre genre. Je lui dis, bon, non, mais non. C'est pas grave, y a pas de serrure. On continue. Je regarde s'il y a. Un levier ou un bouton à côté? Y a pas de levier ni de bouton à côté. Je lui dis bon, ça doit être bloqué on derrière. On tente une dernière fois. Mais non, on va. Et on continue et on verra sur le retour sinon. Ouais, ça fait mal à l'épaule. Allez, une dernière fois. Bah vas-y, moi j'ai mal à l'épaule. Bon, en fait, tu l'as fait qu'une fois, moi je l'ai fait deux fois. Moi j'essaie juste de pousser avec mes mains et pas de donner un coup d'épaule en et même il temps. Il pousse et en même temps je donne le coup. Moi t'es un test de physique plus force encore une fois. Ah bah un seul, une réussite. Deux réussites dans le déclencheur. Ok. Ça bouge toujours pas. En extérieur, vous? Oh, c'est foutu, hein. Vous voyez, du coup, le chasseur qui a l'air de remonter au niveau de l'hab, il fait... viens voir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. L'autre, il laisse, du coup, il traîne un peu la bête. Et il arrive également au niveau de son collègue. Il fait, regarde, ça remonte vers la forêt, là-bas.
c'est des... Il se retourne, mais qu'est-ce que ça ferait? C'est des pieds de gamin, ça. Faites-moi tous les deux, s'il vous plaît, un test d'agilité plus furtivité. Aïe, 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 c'est vraiment le moment de pas rater votre dé, là. C'est comme moi, faut pas faire des échecs critiques. Oh, hey, ça passe. 2 et 1. D'accord, c'est un échec. Alors. Ok. Moi, ça passe. D'accord. J'ai toujours qu'un dé, mais ça passe. Aïe, aïe, aïe. Viens voir d'où ils viennent. Viens de regarder autour, pas l'air de vous voir. Ils sont aveugles. Bon, ils sont très bien cachés. De tradition, à cette table, tous les chasseurs sont aveugles. Moi, je trouve que c'est équilibré et normal. Je n'ai aucun... Il y en a un qui passe la bête sur son dos. C'est l'alcool du midi qui fait que... On va remonter pour voir d'où ils viennent. On remercie l'alcool. Je sais pas, on va voir. Ils n'arrivent pas à déterminer que les... Après voilà, comme je dis, le temps extérieur n'est pas super beau. Il y a toujours cette espèce de semi-neige. Surtout qu'on a dû les pas ont dû se chevaucher. Parce voilà, a c'est ça. Ouais, plusieurs, donc les pas sont pas super clairs. Du coup, ils sont en train de remonter à un rythme relativement lent. Oh, elle est beaucoup de chance. Que faites-vous de votre côté, du coup, Vulk et Lubomira? On a eu de la chance. On a encore eu de la chance. J'ai cru qu'ils allaient nous voir. Merci le Calvados, c'est bon, je dis. Ah, c'est vrai on attend quand même qu'ils soient un petit peu éloignés avant de discuter. Hein, oui, j'imagine. Parce que bien, le temps qu'on respire. Là, vous entendez votre cœur qui bat la chamade. C'est complètement ça. Que faites-vous? Non, sinon, je pensais leur sauter dessus, s'ils nous avaient vus. Ok, oh. C'est la dernière fois que j'écoute tes idées. Pourquoi? Parce que t'as des idées de merde. Mais non si. Mais non, bah, attends, si. C'est une super idée. Tu fais croire qu'on tendait une embuscade à Ivo et à Dragan en leur faisant croire qu'on leur avait donné rendez-vous. Ils ressemblent pas à Ivo et Dragan. Ah ça. Je regarde le soleil pour essayer d'estimer le temps qu'il leur reste. Il avance un peu, il s'est pas écoulé énormément de temps en fait. Il a dû s'écouler bien 15 minutes. Pour vraiment estimer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Oh, il a bien resté encore un peu plus d'une heure. Une heure, ça va. T'es sûr qu'on devrait pas leur dire? Non, je veux pas qu'ils soient bannis. À la limite, si tu veux qu'on se cache mieux, on va dans la grotte. Voilà. Donc on reste ici. Mais tu sais qu'un coucher du soleil, j'irai leur dire. Oui, mais bon, là, je peux pas faire des miracles. Hein. De toute façon, c'est nul de passer la nuit dehors, alors. Ouais, grave. Maman, elle a dit qu'on allait se faire manger si on savait passer la nuit dehors. Non, mais moi, je suis forte, attends. Tu crois que je me bats pour quoi? Comme ça, je vais prendre les loups, et puis bam! Ah ouais! Et donc je montre. C'est trop classe! Et une magnifique représentation de éclatage de loup virtuel de la barre de Lubomira. Je la vois bien prendre des bâtons et faire genre un airdrop comme ça sur les bâtons. Tiens, ça a l'air vachement d'aller bien ta cheville. Non mais. Bustel. Prise sur le fait. Je peux l'examiner? Si tu veux, mais ne fais pas trop bouger. J'appuie. Pareil. Tu dis pas trop. Après, elle est pas du tout gonflée, la cheville. Ah. Mira. T'es sûr que t'avais mal à la cheville? Oui. Mais là, ça a dû aller mieux, surtout avec la peur. En 5 minutes? Bah, la peur, tu sais. Tu me prendrais pas un peu pour un con? C'est vraiment tout a basculé. Tu t'es foutu de moi, t'as pas mal à la cheville en fait. Les chasseurs sont de nouveau dans la forêt. Relativement loin. Vous les voyez qui ont suivi les traces jusqu'à la forêt. C'est quel gel, calme? Quoi? C'est quel gel, le calme? Quel stat? Concentration éventuellement. Ça va. Bah, ça me fait 5D au total à lancer donc. Je vais voir si c'est un échec critique au cas où, mais non. 4 réussites. Garde ton calme. Oui. C'est n'importe quoi. Tu m'as menti à moi. Je crois que tu mentais aux autres, mais pas à moi, ton grand frère quand même. Oui, je t'ai pas menti. Si, tu m'as menti. Non, j'avais vraiment mal à la cheville, mais un peu moins, mais... J'étais inquiet, moi. Mais... Tu m'as fait de la peine. Non, mais... Si. Je regarde si dit des bêtises ou pas. Ah non, fais-moi un test d'empathie, s'il te plaît. Donc instinct plus empathie. Manipulation entre frères, quoi. Ah non, moi je suis sincère, hein.
dont deux réussites dont un déclencheur. Ouais, bah il est sincère. Hein. Ouais. Je pensais pas qu'à moi tu mentirais. Mais je t'ai pas menti, j'avais vraiment mal. Moi je crois pas. Mais je te promets, je peux lui faire un jet de tromperie pour le. Oh, la moralité à zéro. Oh, ça marche pas, j'arrive pas à le convaincre. Je peux faire un jet. Fais-moi toi un jet d'empathie vis-à-vis de sa tromperie. D'accord. Bon, empathie, ça va aller, hein, je suis un dé. Oh non. Mais c'est un déclencheur. Ah. Deux déclencheurs. Attends, 2, 4, 6 réussites et 2 déclencheurs. 6 réussites, bon, ok. Tu vas lui croire ce que tu veux. C'est un peu triche, quoi. 4, 4, 5, 5, 6, 6, bravo. Hein. Bravo la chance. Hein. Et là, il y a un éléphant rose, il m'a attaqué la cheville, je te jure, j'ai rien pu faire. Ah, ok, d'accord, c'est logique. C'est dommage parce que t'as fait. Du coup, vous avez tous les deux fait une réussite critique, quoi. Non, non c'est parce au c'est... nombre. C'est au nombre, ok. Et ouais, mais du coup, j'ai un. C'est à celui qui a la plus grosse. Si j'avais très mal et que. Bah, je pense, enfin, que ça m'est déjà arrivé d'avoir moins mal après avoir eu peur, je sais pas pourquoi, et après ça revient. Littoral. Du coup, le. Pour. Toi, ça te l'a jamais fait? Tu sais que t'as très peur et du coup, tu. C'est vrai en plus. C'est l'adrénaline. C'est vrai en plus. C'est l'adrénaline. Oui, certes, c'est vrai, c'est pas faux. Bah, par mais contre, le... ça fait pas dégonfler une chemise. C'est ça. Ouais, c'est vrai que. Non, mais après, c'est bien connu que les enfants, ils sur. Oui, clairement. Ils surestiment leur douleur. Donc, il y a un jet pour lutter contre une tromperie, que ce soit en ruse ou en concentration ou pas? Fais-moi un test, s'il te plaît, de volonté. Ok. Ah, là, c'est déjà un peu plus équilibré, je crois. Ah, mais il a déjà fait empathie. Petit, c'est pour voir si tu mentais, là, c'est pour voir s'il est affecté par. Voilà, c'est pour, c'est pour savoir si je doute de ta version. Ah ouais. Trois réussites. Non, ça passe toujours pas. Okay. Ouais, wow. Si c'est ça, ça va alors. Mais je te promets, je te mentirai jamais, grand frère. J'espère. Parce que moi, vraiment, je compte sur toi. Tu sais. J'ai pas beaucoup de famille et qu'à cause de ça, je crois que j'ai pas beaucoup d'amis. Heureusement que t'es là, quoi. On a des violons dans la vie. Et justement, nos amis, compte sur nous. Ouais, bah du coup, si t'as vraiment mal, ils t'ont quand même vraiment abandonné. Je suis pas sûr que ce soit tes vrais amis. Moi, je crois pas. Moi, je crois que je peux compter que sur toi. Non. Et que tu devrais compter sur moi. Et moi? Hein? Et moi? C'est quoi cette voix qui vient du ciel? J'ai peur, grand frère! Tu sais, là, il a eu Mirof, il a eu l'oreille parfois, qui a fait un acouphène sur la droite là. Parfois, Mirof il prend des bonnes décisions, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop. Qu'il s'emporte un peu trop vite. Je sens qu'il va nous trahir pour sa sœur, allez. Genre, il va y avoir un moment. C'est vous qui avez trahi ma sœur en premier, les gars, dans ma version. Hein. Et des fois, il me tape, Mirof. J'ai rebouché l'entrée de la grotte, à un moment donné, c'est ça que tu veux, y a pas de problème, hein. Si j'apprends ça, on en sort. Je le fais pas de manière intensive. En attendant, vous, dans la grotte, oui, vous êtes avance. Toujours devant cette porte. Ah non, mais moi j'ai dit que j'avançais, j'en ai marre. Ouais, vous avancez. Ouais, j'essaie de voir s'il n'y a pas de plaque de Jardapien. Mais non, mais okay, j'ai dit. Il y a tout le monde qui commence à avancer, toi tu regardes. De toute façon, t'as une torche, donc ouais, c'est pas un problème. Mais Mirof, reste pas trop loin de nous. Ouais, oui, c'est vrai. La peur. Bon allez, on fait vite, hein, par contre. Parce que là, ça fait longtemps. Ouais, vous je suis en train de bâtir un mur. Il sera truelle et tout, là. Putain, moi, je suis fou, parce que si j'étais un gamin dans cet endroit, moi, je me pisserais dessus. Mais là, non, je veux découvrir. Mais en vrai, tu dans le noir... Tu avances, il y a une autre porte du même type que la première, un peu plus loin sur la gauche, toujours. D'accord, toujours sur la gauche. Il y a des inscriptions, quelque part. Il y a quelque chose écrit au-dessus de la porte. Fais un test de perception, s'il te plaît. Ça se trouve, il y a quelque chose écrit, quoi. Il y avait marqué sortie morgue. Sur l'autre. Morgue, tu sais écrire en gros A. Perception, c'est ça? Je sais jamais où est-ce que c'est perception. Instinct plus perception. Ah, merci. C'est vachement plus utile. Deux réussites. D'accord, tu vois des inscriptions, mais tu ne connais pas cette langue. Ah, et il n'y a même pas des lettres qui sont... Non, c'est pas un alphabet qui ressemble à ce que tu connais. D'accord, donc c'est... Ok. Je suis sûr que je pourrais le comprendre en tant que joueur. Mais... Ok, d'accord. Bon, mais... Peut-être frim, quoi. Je suis sûr que je pourrais le comprendre. Non, mais ça se trouve, c'est genre de l'anglais, tu vois. Non, ce n'est pas de l'anglais. Ok. Et... Parce que l'alphabet est le même. Ah, mais peut-être que nous, notre alphabet était cyrillique, c'est pour ça, je sais pas, j'en sais rien. Quand on est dans les Balkans. Et du coup, genre, on essaie de rouvrir aussi la porte. Moi, je dis, bon, peut-être que celle-là, ça va marcher, je pousse. Mais sans m'éclater l'épaule, genre, je. D'accord. Bon, on va essayer. J'essaye. Ok. J'adosse. Oula, deux réussites. C'est également bloqué. À part si tu veux voir, dis-moi ton résultat à toi. Ah, mais j'ai pas fait encore. Ah. J'ai fait deux réussites. Non, deux réussites aussi. D'accord. Non, c'est également bloqué. C'est horrible. Bon, celle-là,
On va y arriver, bordel. Mais non, poussez-vous. On peut juste continuer. J'essaie de la tirer encore une fois. Peut-être qu'on va tomber un jour sur une porte ouverte. Ouais. J'essaie de la retirer pour voir si ça remarche. Tu tires. Ça marche pas? Ça a l'air de résister plus en poussant ou en tirant. Pareil. Pareil, c'est bloqué en fait. On peut voir à travers la rainure, voir si on peut voir. Non. Ok, bon, mais. Juste par avant, on continue. Écartez-vous! Mais non, tu vas pas essayer. Écartez-vous, y'a quelqu'un qui m'aide ou pas? Regardez, y'a Mirror. Y'a des têtus des fois. Y'a Mirror qui va s'éclater contre la porte. Tu vas juste te faire mal pour rien. Ça passe pas. Attendez, boum! Ah! Ah, m'énerve! Moi, c'est de perception les deux qui sont entrés dans la caverne. Ah, elle est entrée de la caverne. Perception. Instinct, perception, toujours. Réussite. Attends, ça fait bien enfoncé là en plus. Hein. Une seule réussite du coup? Oui. Une seule aussi. Ah bah non. Ah ouais. Un petit peu de vent, c'est tout. Il s'est même un peu enneigé d'ailleurs. Attends, mais là je dis bon, mais laisse tomber Mirror, on va continuer, on va trouver des trucs plus intéressants. Je réfléchis, est-ce qu'il y avait de quoi faire pression pour éventuellement pousser ou ouvrir au niveau du cercle? Non. Bon. Ah, peut-être que ça s'ouvrait avec le bon, on avance parce que c'est chiant là. Ouais, ouais, ouais. Allez. J'en ai marre de m'éclater. Littéralement ce que pensent tous les auditeurs actuellement. C'est en fait, Dragan, c'est les auditeurs. C'est la pensée des auditeurs. Vous commencez du coup, continuez d'avancer. Et vous voyez au fond de la pièce. Oui. Enfin, une pièce. Au fond du couloir, une espèce de grande pièce, comme si ça mettait fin au couloir. Une espèce d'assez grande pièce. Et ça continue après derrière ou pas? Déjà, vous rentrez dans la pièce. Oui. C'est la fin du couloir. D'accord. Une assez grande pièce avec beaucoup de poussière. D'accord. Dans la pièce. Vraiment beaucoup de poussière dans l'air. Faites-moi s'il vous plaît un test de physique plus résistance. Ah, là par contre, mon gars. Ah, qu'une réussite. Mais c'est un déclencheur. Attendez. Non, ça valait la poussière. Dégueulasse. Deux réussites dans un déclencheur. Hein. D'accord. Tous résistants. De la poussière. Ouais, beaucoup de poussière dans l'air. C'est. Ouais, de la poussière. Attends, de la poussière. De la poussière ou de la poussière? Alors, De la poussière. De la. Ah, c'est dégueulasse. C'est... Ça gratte la gorge. Non. C'est juste une vieille pièce, quoi. D'accord, ok. Je mets un peu mes habits comme ça pour pas trop... Ouais, moi aussi, Bah, physiquement, vous poussez, vous, facilement, en fait. Vous la poussez rapidement avant que ça atteigne un peu trop... Ouais, mais... Dragan s'est fait surprendre, en fait. Ah, d'accord. C'est vrai, il est arrivé, il a pris une grande inspiration, il a douillé. Ok. Je dis, oh, mais c'est pas grave, c'est juste un peu de poussière. Et il y a de la poussière partout, par terre, genre c'est vraiment... Un peu dans la pièce, tu vois, qui flotte un peu dans l'air et... C'est bizarre quand même qu'il y ait de la poussière là et pas dans la pièce d'or. Vous avez avancé dans la pièce? La poussière, normalement. C'est la poussière, c'est pas resté censé s'accumuler dans l'air. Ça retombe, quoi. Ah, je sais pas, moi je suis pas expert en poussière. Je regarde les torches, on peut voir le plafond ou pas? Ouais. Il y a quelque chose par terre? Écarte-toi, je vais éclairer. Spécialement. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Vous avez un ami. Je regarde en même temps que lui, je fais attention, je vais t'éclairer. Je revérifie à chaque fois, mais je sais exactement les. Je le fais aussi, du coup. Deux réussites. Deux réussites? Ouais. D'accord. Une réussite. Ok. Toi, ouais. Tu remarques à un moment de la pièce quelque chose qui te fascine un petit peu. Ça a l'air d'être des quelque chose de végétal. Oh non. Qui a l'air d'avoir poussé, on dirait des espèces juste de champignons, basiquement, qui ont l'air d'avoir poussé. Rip ta vie. Mais ce qui te paraît vraiment particulier, c'est de la manière dont ils te ont poussé. D'accord. Là, on dirait que ça a poussé dans un cercle, en forme d'un cercle qui contient un triangle et un cercle avec également comme 16 petits triangles autour. Pour vous, je peux voir une petite image. C'est pas du tout inquiétant. Pourquoi on joue des gamins? Ça a poussé comme ça. D'accord. De ce que tu peux voir, par contre, ça a l'air vraiment d'être naturel et l'homme n'a rien à voir avec ça. Ça a poussé tout seul de cette manière-là. Donc, je trouve ça relativement fascinant quand tu vois ça. D'accord. Moi, je l'indique aux autres, je fais oh, regardez, c'est trop joli comme forme. C'est beau. J'avais jamais vu ça. Mais on touche pas, hein. Bon, de toute façon, c'est trop haut, c'est dans le ciel, là. Non, c'est pas dans le ciel. Ah, c'est sur un mur. Ah, c'est sur un des murs. Oui. En l'occurrence, ne touchez pas, vous pouvez le toucher. Non. Moi, je connais des champignons, quand t'appuies dessus, ça éclate. Et il y a plein de poussière dedans. Ouais, mais moi aussi, je sais pas, c'est joli, mais j'ai pas envie de toucher. On a tenté de les cuisiner, c'est pas bon, hein.
C'est vraiment pas bon. Ah, mon papa, il m'a dit qu'il y avait des champignons vénéneux dans la nature. Il m'a appris. Mais ça, ça ressemble pas au truc que je connais. Non, moi, j'ai... J'en ai jamais vu des comme ça. C'est... Dans le doute, on sait jamais, faut mieux pas... Ouais, voilà. Bon, et après, il y a autre chose dans la pièce. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. T'imagines, tu touches, tu lèches, et après, tu t'intoxiques. 2, 1... Ok, d'accord. Que des échecs. Et deux, j'essaye aussi, vu que j'ai la torche, je me dis. L'échec critique. Également, l'échec critique, ouais. Ah non. Fait mal. Non, non. Encore ça, c'est plutôt plus. Tous les joueurs de Genesis savent ce qui s'est en train de se passer. Une réussite et un déclencheur. D'accord. Qu'est-ce que je fais ? Tu vois dans un coin de la pièce, ça a l'air de pouvoir continuer un peu plus loin, mais c'est un peu effondré. Il faudrait, basiquement, c'est une espèce de tunnel où il faudrait ramper pour passer. Okay. Ça a l'air de continuer vers une pièce. Ah, non, mais je suis le seul à le voir ? Pour l'instant, oui. Du coup, j'évite de rapprocher la torche dans cette zone-là. Ah, ok, bien joué. Pour pas qu'on voie, je vois. Ah, dommage. La dragon qui lui. Oh, regardez là-bas, ça continue. Et ça, sauf que c'est effondré, je vois que c'est effondré. C'est un peu effondré, mais vous pouvez passer sans aucun problème en rampant un petit peu. Vous voulez pas d'abord fouiller un peu la pièce ? Ouais, y'a quoi d'autre dans la pièce sans s'approcher trop de la pièce ? C'est un peu du bordel, y'a d'avoir des feuilles un peu éparpillées sur le sol. Je peux essayer d'en prendre pour voir ce qu'il y a écrit dessus ? C'est du papier vierge. Ah, ouais, vierge, d'accord. Ouais. Je suis là en mode, j'aime bien explorer, mais la plante elle est bizarre quand même, j'ai pas envie de continuer moi. Alors comme ça on a peur maintenant ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est que des plantes hein. Non mais c'est pas ça. T'as jamais mangé des champignons ? Non mais c'est pas les plantes. Moi je m'en fous, j'y vais. Mais Dragan... Il commence à partir et c'est sur ça qu'on va faire notre petite pause. Avec du coup des musiques de The Last of Us, si je ne me trompe pas. Je te laisse les présenter. Alors, on a deux musiques de The Last of Us et une de Fallout. Donc, The Last of Us de Gustavo. Si je dis pas de bêtises, c'est Gustavo Santaolalla. Santaolalla. Ah, bref, j'arrive pas à le dire. Gustavo Santaolalla, effectivement. Et après, All Alone, toujours de The Last of Us. Et après, le petit thème. Le main theme de Fallout 4, Dead on Zero. Et voilà. Du coup, une pause sous le signe du jeu vidéo post-apocalyptique. Ouais, en gros, on n'est pas bien, les gars. À tout le monde, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Thank you.
on est de retour après ce magnifique thème de Fallout 4. Des heures de souvenirs. Pour de nombreuses heures de souvenirs. Clairement, va beaucoup trop d'heures de souvenirs. C'est pas le meilleur, mais bon, c'est sympa. Et du coup, on va reprendre avant de s'être arrêté au niveau de DGSIS. Exact, donc un petit récapitulatif pour les gens qui nous rejoigneraient éventuellement ou qui auraient pris en cours. En début de séance, la moitié du groupe du coup, se retrouve dans cette espèce de souterrain qui a l'air de serpenter sous cette vallée et qui essaie de découvrir plus ou moins qu'est-ce qui s'y passe ou du moins vraiment la curiosité qui les pousse à avancer. Pendant ce temps-là, de leur côté, les plus réfractaires Vulk et Lubomira sont ici en train d'attendre leur collègue. Ils ont leur ont donné une espèce de deadline jusqu'à la tombée du jour, de la nuit. Ils ont failli se faire choper par des chasseurs, mais apparemment, il y a une loi qui dit que les chasseurs sont aveugles. C'est complètement c'est la chute. C'est les normes de Roll the Dice. Et du coup, pour l'instant, ils se sont pas fait repérer à l'état actuel des choses. Voilà, pour le petit résumé rapide, voilà. On va reprendre du coup. J'en profite quand même pour saluer Lexa dans le chat qui a dit yo, Ransar aussi. Parce qu'on vous a pas répondu dans la partie, mais on vous lit, sachez-le. Ah, c'était tôt, hein, c'était à 19h04. Ça. Bonjour. Ouais, mais ils sont toujours connectés donc. Ça froisse mon sens de la politesse en fait de voir quelqu'un coucou me dire Toby. Bonjour et de ne pas lui répondre depuis une heure. Ouais, voilà. En soi, le bonjour a été dit avant que l'émission commence. Du coup, on a dit bonjour au début. C'est vrai. Ouais. Genre, c'est toujours du coup, je ne vous répondrai plus jamais bonjour. Ça va. C'est bon, je alors, reprenons. Du coup, Dragan s'avance. Voilà, Dragan, lui, il est passé. Mais moi, sûr qu'il n'est pas très épais, il ouais, a pu passer sans problème. Mais moi, froissé par ta peur, en fait, Dragan, je reprends mon courage à deux mains et je dis non, mais je veux sortir d'ici, je veux sortir de cette vallée, donc s'il y a des trucs là-dedans qui peuvent m'aider, j'y vais. Et je suis dans le trou. D'accord. Ok. Je rampe. Il est devant moi du coup, Dragan. Ouais, ouais, il avance. Il a la lumière. Ouais. Et j'ai même pas checké si Mirof nous suivait, quoi. Je regarde vraiment s'il y a rien dans la pièce et s'il y a. Dans la pièce, il y a juste ces espèces de mycélium. Waouh. À apparence particulière. Fascinante. Je me rapproche légèrement. Mm-hmm. J'observe un peu comment c'est constitué, si ça a l'air de bouger. Non, absolument pas. C'est vraiment juste des champignons qui ont poussé de cette manière-là. Tu peux remarquer, comme je le disais tout à l'heure, bah là, pas spécialement gros, ils sont juste poussés de manière particulière en suivant des lignes et des cercles. Ah oui, ok, ouais. C'est un emplacement qu'on a pu penser obligé par l'homme, mais non, ça a l'air d'avoir été naturel. Mais même les gravures, le sort de pentacle ou je sais pas quoi. Ouais, c'est la manière dont ils sont poussés en fait, ça, c'est selon ce pattern-là qu'ils ont poussé sur le mur. Ok. Ouais, je me dis que c'est vraiment bizarre si ça poussait naturellement comme ça. Mm. C'est en même temps fascinant. Ouais, tu trouves ça bizarre, mais en même temps, c'est. T'as jamais vu quelque chose comme ça. J'essaie de mémoriser la forme. Mm-hmm. Et après, je me dis que je peux pas rester tout seul dans cette pièce, c'est vraiment trop bizarre, et du coup, j'essaye de les rejoindre. D'accord, ok. Ok, tu commences toi aussi à passer un peu en dessous. Vous allez arriver de l'autre côté, dans une espèce de pièce qui ressemblerait un peu à un bureau. Avec différents bureaux sur le sol, plein de papiers différents. Des chaises renversées un petit peu sur les côtés, pas mal, un petit peu toujours cette légère poussière dans l'air. D'accord. Et rien de particulier, on y voit, la pièce elle est plutôt petite, plutôt grande. Elle est taille à peu près standard. D'accord. Il y a 4 ou 5 bureaux dedans. C'est quand même ouais, assez. Ouais. Et du coup, j'observe un peu les alentours avec Dragan, je dis oh, regarde. Bon test de perception, s'il te plaît. Ok, ça va. Je tiens les chiffres d'appui. Une réussite, c'est un déclencheur. D'accord. Un 6. Tu vois sur un des bureaux une espèce de bloc de pierre noire. D'accord. On appelle ça, t'as dû entendre parler ça, il y en a qui parlent d'artefacts, ce genre de choses. Oh ! Je dis waouh ! Regarde ce truc-là ! Et je m'en approche, Nico. Tu t'en approches ? Il y a Drake qui fait waouh ! Et avant qu'il fasse quoi que ce soit, je le prends en même temps en mode. Premier. D'accord, tu le prends. Ouais. Au moment où tu le prends, il y a une espèce de lumière qui en émane d'un coup. Okay. Une espèce de lumière bleue qui arrive d'un seul coup, qui t'éblouit un petit peu sur le coup. D'accord. Et t'as l'air de voir une image comme. C'est bizarre, on dirait une espèce de peinture ou quelque chose comme ça avec deux personnes dessus. D'accord. Un homme et une femme qui ont l'air endormis.
L'image, je sais quoi, c'est une image projetée, c'est dans ma tête. Ah, c'est sur le bloc de pierre. Ah, c'est sur le bloc de pierre. Ouais, ce bloc de pierre noir. Deux personnes endormies. Ah, d'accord. D'accord. Et je dis, oh, regarde, il y a des gens. Comment ça marche? Je tourne. C'est vraiment un cube ou c'est... Ça ressemble basiquement à un rectangle relativement plat. Ok, d'accord, bon, c'est un cadre photo. Quoi. D'accord, bon, mais je regarde et je dis, oh, trop cool et tout ça. Oh, et, c'est qui eux? Je sais pas. Je regarde bien la photo pour voir. C'est deux personnes, tu les as jamais vues. Ouais, il y a d'avoir des numéros à côté d'eux. Ah, il y a des numéros? Ouais. Ils sont dans une pièce, il y a rien de Ils sont endormis. J'ai déjà vu des gens morts ou pas? Non. D'accord. Bon, bah, ils sont endormis. Du coup, je fais, ouah, trop cool, ben, je le garde. Et du coup, je le mets. Et normalement, vu que t'as cassé mon truc, ça devrait être moi qui le garde. Mais alors, il a pas cassé. Et regarde, écoute, je te le dis. Si on arrive à réparer ton truc, si on arrive à réparer ton truc, je le garde. Si on n'y arrive pas, je te le donne. Je dis, je te le donne, mais genre, je te le. D'accord. Il tend la main. Je lui fais ça là. Ouais. Mais pour l'instant, c'est moi qui le garde. J'arrive à ce moment-là ou pas? Ouais, tu arrives, tu émerges de l'endroit, ouais. Tu les vois qui se serrent la main et. Dragon qui a retrouvé une espèce de sourire. Ça sent pas bon. Bon. Mais moi je garde le truc du coup. Il y a bah alors ça va être quelque part ou pas? J'ai quelque chose pour moi. T'as c'est... Un, tu dois avoir un petit. Ouais, j'ai louchon, un truc rapide, quelque chose comme ça, ouais. Bon, bah je le mets. Bon, on fait vite. Ouais, il y a autre chose du coup dans la pièce? T'as plein de papiers après, il y a des choses écrites dessus, tu comprends pas spécialement. Ouais. Tu retrouves ces initiales un petit peu. Un peu récurrentes. Oui, oui. OU. Un truc qui s'appelle Atlas. Du coup, il y a des bureaux dans le truc? Ouais, il y a des tiroirs ou pas? Je fouille, ouais. Ouais, il y a des tiroirs. Ouais, je tu commences à ouvrir, tu vois, pareil, c'est rempli de papiers. Certains plus ou moins bien conservés, d'ailleurs. Ah ouais. Et il y a de la poussière partout, mais la poussière, elle est vraiment en l'air, elle est pas sur la poussière, on dirait quelque chose qui stagne un peu dans l'air. D'accord. Et en fait, il y a des traces, quelque part, genre des traces de pas, de doigts, des trucs dans le genre? Absolument pas. Okay. À part ceux que vous venez de mettre. Ok, d'accord. Et bah, du coup, moi aussi, je fouille les tiroirs pour voir s'il y a des trucs, des papiers particuliers, des choses. J'sais d'accord, pas. Tu commences à fouiller du coup au niveau des tiroirs. De l'autre côté, Vulk et Lubomira. Non, de mais toujours. Je vais les chercher. Hein. Tu crois? Ouais. Je vais leur faire croire que la nuit va tomber. Mais si tu descends, ça te met en danger aussi. Tu veux pas rester en haut? De toute façon, la nuit elle va vraiment tomber pour de vrai bientôt. Ouais, elle va tomber certainement dans une petite. Voilà, comme une. Un peu plus. Ouais, entre 30 minutes et 40 minutes. Oh là là. Ouais, non, mais. Non, mais il faut bien qu'on aille les chercher, parce que là, je m'ennuie, quoi. C'est moins grave de s'ennuyer que d'être banni. Mais non, mais on sera pas banni s'il y a personne qui dit. Moi, je le dirai après la tombée de la nuit. Et si je suis banni, maman, elle t'aimera plus. Oh. Et wow. Je commence à essayer de descendre, mais j'ai mal à la cheville, donc je galère un peu. Direct dans le cœur, là, il est brisé, là. Waouh. Ouais, ouais. Attends, okay. Attends, tu peux pas être banni, du coup, faut pas que tu descendes. Tu crois? Oui, je crois, oui. Attends, reste ici. Mais il faut aller les chercher. Non, 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 non. Parce que s'ils sont bannis, maman, elle m'aimera quand même. Je crois. Parce que maintenant j'ai mis les pieds dedans. Tu Bobira qui a fait plus de dommages que tous les joueurs réunis de Rolls the Dice, quoi. en un seul coup. Elle a mis les pieds dedans? Elle a dit qu'elle a commencé à avancer dedans, ouais. Ouais, mais je m'en tirais pour toi. Voilà. Bah alors je peux aller les chercher, ça risque rien. Mais va pas les chercher, t'es toute seule. Mais là, dilemme. T'as qu'à y aller, toi, alors, si tu veux pas que je descende. Et je dirais rien non plus. Moi aussi, je mentirais pour toi. Allez, viens. Ouais, ça, je sais que tu peux mentir, ouais. Dans la caverne, ça fait « Viens, le scénario, viens. Rejoins-nous du côté de l'escalier. » On est déjà trop. Non, mais ouais, enfin, de toute façon... Je vais vous donner un test, s'il vous plaît, de agilité plus furtivité. Oula. Je cherche... Non, mais c'est juste pour un indicatif de palier que je dois dépasser. Deux. Ah! Et là, il a fait un. Voilà, on a eu un échec. Oui, c'est juste l'échec critique. D'accord. Que faites-vous? Bah, là, pour le moment, on discute à l'entrée de la caverne. Exact. Des crevasses, c'est pas. Crevasses, c'est plus pardon. Des crevasses.
en lui disant que donc... Mais une fois qu'on est dedans, on peut pas remonter par contre. C'est pour ça qu'il pouvait pas remonter. Si vous êtes au courant quand même que Dragan il a une corde. C'est pour ça que Mirov est descendu. Enfin, il y a une corde, mais il y a personne en pour. Oh la lance. Bon, alors, ils ont déjà bien réussi à remonter. Ah bon, je suis pas là. Je ne suis pas là. Je n'ai pas le droit. Ils arriveront pas à remonter. Et t'arriveras pas à remonter si tu descends. Faut pas que tu descendes. C'est pas encore trop tard. T'es pas vraiment entré. Mais si, je suis entré. Mais. Mais je suis sûre qu'on arrivera à rentrer. On fera la courte échelle. Ils t'ont abandonné avec tes blessés, ils nous aideront pas à sortir. Si on les fait à côté charte, ils partiront, nous laisseront dessous. C'est que des traîtres. Non, moi je leur en veux pas. Moi je leur en veux. Moi j'aurais fait la même chose. Je suis le seul perso malheureux de son putain de groupe. Avec Mirov. Avec Mirov. C'est... Tout le monde se dit vivement, les gars, les adultes. Clairement. Que fais-tu? Bah oui, pour le coup, c'est une vraie question. C'est, si... Tant qu'elle est pas assez descendue, moi je reste là-haut. D'accord. C'était juste un pas dedans, on m'en fout. Mais au pire, toi t'es assez fort pour nous remonter. Je me tourne, regarde le soleil. Fais-moi un test de perception si tu dois retourner. J'ai vu que périodiquement, de toutes les 30 secondes et quelques, il faisait un petit... D'accord, tu vois les deux chasseurs qui sont revenus. Vous avez pris 30 ans à discuter. Ils sont en train de descendre vers l'endroit où il y avait... Ils sont en train de re-suivre les pas dans l'autre sens, du coup. Ils vont nous trouver. Quoi? Ils vont nous trouver. Mais qui? Il y a des chasseurs. Ils reviennent. Je regarde. Et ils sont là. Ah. Ils sont relativement loin encore, c'est encore des silhouettes que vous voyez. Oh, là-bas, qu'est-ce que vous foutez? Oh, merde. Et on se remet... Moi, je me recache. Je la regarde. Sachant que de la distance où tu es, ils ont vu des ombres, ils ont... C'est vraiment plus imaginer qu'il y avait une des ombres qui était à moitié dans la caverne. Ah bon? Au niveau des ombres, ça se voit quand même que il y avait quelque chose à moitié dedans, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, je suis tétanisé. Allez, il s'approche, hein, il commence. Il y en a un qui dépose la proie qui sont sur le côté, il y en a un qui s'approche un peu en courant. Il y a encore de la distance. On voulait faire une blague. Sachant. Alors on va croire que je vous oblige à descendre, mais c'est une crevasse assez petite. Hein. Dans l'idée, tout le monde ne passera pas à travers. Ouais, mais bon, en fait, si nous campent, ils vont bien se faire. Attends, autre question qui peut avoir son importance. Niveau châtiment corporel, on se situe où dans l'éducation de l'enfance à cette époque-là? Là, on se situe sur du bannissement. Ah, c'est le châtiment mort. Bannissement? Bah, elle était à moitié dedans. Ils ne savent pas qui vous êtes, ils ont vu des ombres, mais ils ont vu qu'elle était à moitié dedans. Ah, d'accord. C'est ce que je précisais tout à l'heure, c'est que vous savez que. De la distance où ils sont, vous voyez, ils n'ont pas vu qui c'était. Ils ont vu des ombres au même titre que vous voyez des silhouettes. Mais ils ont vu qu'il y en avait clairement une qui était à moitié dedans. Ah d'accord. Bon bah... Donc bah foutu pour foutu. Là. Ouais, je vais rentrer du coup, à la place de me cacher. Du coup. Je sais pas comment ils sont soit banni, on y va. D'accord. Mais non, non, ne descende. Non. Et ils commencent à courir. Tu descends bien dedans, tu vois que ça glisse. Oui, bah oui, mais ils sont encore sacrément à distance, je fais un peu gaffe. Ouais, d'accord. Toi, tu suis du coup, c'est ça? Bah je la regarde commencer à descendre, j'hésite une seconde ou deux, mais c'est ma sœur et je veux pas qu'elle soit bannie, donc je vais la suivre. D'accord, tu commences du coup à descendre, pareil, tu vois, ça glisse un petit peu sur le côté, tu déboules un peu sur des rochers. Fais-moi s'il te plaît un test de agilité, plus dextérité, et également le même de ton côté, Vulk. Est-ce qu'on les entend, nous, de là où on est? Non, vous êtes vraiment bien enfoncé. Ouais. Une réussite. Agilité plus dextérité ou mobilité, excuse-moi? Agilité plus dextérité. Mobilité, excuse-moi, oui, ah. Mobilité pour toi aussi. Je garde ma réussite ou pas? Non, relance le tout. Je jamais suivi. Une réussite. Ok. J'ai la moitié de 1 et 1,6. Ok, tu glisses. Tu la vois sa sœur qui commence à rouler bouler, à tomber dans le. À s'enfoncer. Ah ben là, elle sera vraiment cassée la chair. Voilà, je suis rapidement plus, et tu entends un petit. En bas au niveau du sol, elle a dû atteindre le sol. Toi, tu commences à descendre également. Tu glisses également un petit peu. Tu finis par tomber. Oh putain de gamin, qu'est-ce que. Putain. C'est foutu. Ça, on l'a entendu rouler-bouler quand même ou pas? Non, vous êtes vachement loin. Ok, dedans. D'accord. Je voulais quand même vérifier. Okay. T'entends derrière. Hey, t'as vu qui c'était? Je sais pas. Je pense que c'était des gamins ou. Les traces remontent jusqu'au village. Ah.
toi tu vois du coup ta sœur, elle est tombée de très peu. T'es toujours t'es pas tombée dans les pommes ni quoi que ce soit. D'accord. Juste avant de m'occuper de ma sœur, si j'ai pour personnel. Ouais, d'accord. Ça va. On se dépêche. Oui. Je la relève et puis on commence à y aller au pas de course. Hein. À tâtons, surtout. Oui, parce que vous n'y voyez rien. Hein. Vous n'avez pas de torche, contrairement à nous. Vous êtes crié du coup. Vous êtes dans cette pièce toujours à voir ces feuilles. Ouais. Moi je suis rapidement les bureaux, j'ouvre sec, je regarde. Ouais, je tiens dans une main d'une main le poignet de ma sœur, même pas la main. Je tiens le poignet de l'autre. Ouais. Et du coup tu vois au niveau du mur, comme je l'ai décrit la dernière fois, c'est lisse. C'est pas comme si c'était une cavité naturelle. Ça ressemble au mur qui peut se trouver dans vos maisons ou ce genre de choses. Bah c'est comme naturel. Je me guide surtout avec la main contre le mur. C'est relativement rassurant en fait quand tu le touches. C'est basiquement pareil que quand tu vas chez toi et qu'il fait nuit la nuit, que tu déplaces. Eh bien, je vais essayer de reculer l'angoisse d'être dans une caverne, dans le noir. Surtout qu'ils vont être longs avant qu'ils rejoignent la lumière. Et je vais essayer d'avancer le plus vite possible. D'accord. Toi, Lubomira, tu suis ? Oui, je suis tenu. Poignet. Je me demandais juste, je fais attention à si on entend encore les chasseurs de l'autre côté. Ou ok, fais-moi un test de perception, s'il te plaît, instinct plus perception. Une réussite seulement. D'accord. Ok, du coup, non, tu entends pas forcément de bruit, tu entends des grommellements et puis des bruits de pas qui ont l'air de tourner, s'éloigner, c'est pas vraiment. Ils savent pas s'ils doivent y aller ou pas. Ah, c'est ceux qui passeront pas, eux. Ah d'accord, je pense que c'est clairement trop grand. C'est trop grand. C'est ça, c'est des crevasses. C'est pour ça que je précise que ce n'est pas une grotte, c'était vraiment des crevasses. J'ai du mal à m'imaginer. Non mais je vais essayer de jeter des cailloux en fait, devant. Ouais, pour voir s'il n'y a pas un mur. Non, parce que... Faire de l'écho. Ah, il y a un mur. Ouais, je suis experte en écolocation. Non, c'est plutôt en fait pour faire du bruit en fait, mais sans faire des éclats de voix. D'accord, ok. Voilà. Tu chopes un peu de cailloux. Pour l'instant, au début, il y en a. Après, ça devient un peu plus rare. C'est peut-être des légers gravats, poussière, ce genre de choses. Tu commences à lancer, on t'entend. Au fur et à mesure que tu lances tes cailloux. Vous, de votre côté, donc, vous êtes toujours avec votre pierre. Ouais. Du coup, avec cette photo, du coup, de ces deux personnes qui sont toujours là, c'est toujours un peu illuminé. Donc, pour revenir un peu sur la description des deux personnes, vous voyez, il y a une femme. Donc, la femme, elle est extrêmement pâle, les cheveux grisâtres. D'accord. Elle a l'air assez jeune, un peu plus. Peut-être dans les âges de tes parents à toi. D'accord. Vu que, donc, autour un peu plus de. Entre 30 et 40 ans, tu peux pas dire exactement sur le visage, vraiment relativement pâle. Ok. Je crois que oui, vas-y. Et l'homme qui est présent à côté est également un petit peu pâle. Lui, par contre, il a les cheveux bruns. Pareil, les cheveux bruns, le barbe rasé très très court. Les deux sont habillés très très sommairement. C'est-à-dire, alors juste un truc, un vêtement. On dirait juste comme si ça avait une. C'est pas de vêtements que t'avais vraiment vu spécialement. T'as jamais vraiment vu ce type de vêtements. Ouais. On dirait comme si ça avait juste une espèce de sac sur eux en fait, coupé à différents endroits, dans les tons un peu bleuâtres. Ok. D'accord. Rien d'autre sur la photo qui est particulier ? Il y a des nombres. C'est quoi les nombres ? Au niveau des nombres. Et surtout, ils sont où, le verre sur la photo ? Ils sont au niveau des espèces de sacs qu'ils portent. D'accord. Sur un coin du sac, tu peux voir ça. Sur l'homme, il y a marqué 103. Okay. Et sur la femme, ce n'est pas un nombre, c'est un H. Juste un H ? Juste un H. Ok, d'accord. je crois que j'ai compris. Je vois des regards. Ouais, non, mais moi, je crois que j'ai compris la nature des regards, mais je ne suis pas censé savoir comment dire. Et... Du coup, bah, je l'ai vu ça. Bon, excuse-moi. Et du coup, j'ai fait bon, ok. Je range la photo. Du coup, lui, il l'a vu, je lui ai montré. Ouais. Ah, tu me l'as montré ? Bah oui, parce que si on l'a vu. Ok, du coup, c'est quoi les numéros ? Parce que moi, je croyais que tu me l'as montré pas en fait. Ah, c'est 103 H sur. Ah, bah, c'est 103 sur l'homme. Exact. Et sur la femme, c'est juste H.
je t'arrache. Et la femme, du coup, elle est toute blanche, elle est blafarde, comme on pourrait dire. Du coup, moi, j'ai rapidement regardé la photo. Oui. Et comme je t'ai dit, pour faire en sorte qu'on passe assez rapidement à la pièce et qu'on puisse partir, en fait, j'ai regardé tous les trous de tiroirs. Ouais, il y a pas mal de tiroirs, il y a pas mal de choses. Tu comprends pas ce qu'il y a marqué dessus véritablement. Je soulève le papier, je secoue les tiroirs. Le papier, il est extrêmement rigide et. Bah, il est vraiment solide le papier. Hein. Celui où il y a toujours des choses qui sont marquées. Il y a du papier qui est un peu comme abîmé. En fait, moi j'aimerais chercher quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qui est vraiment extrêmement solide. C'est extrêmement solide, j'en prends peut-être un ou deux et après je me pars. Mission accomplie. Et là je leur dis qu'il faut y aller parce que là on a vraiment plus le temps. J'essaie de voir si dans la pièce il y a des tiroirs, pas forcément des tiroirs mais des étagères, quelque chose qui soit autre chose que du papier quoi. Bah, à part ce bloc de pierre noire. Ouais. Rien de spécial. Bon, ben j'ai dit bon, mais on y va. Du coup, je commence à passer par le tunnel. Je suis le plus impressé à partir. Moi, je suis Mirov, du coup. Ça part si Dragan y a quelque chose à dire. Non, moi, ça me va. Et de toute façon, vu que je suppose que mon truc est cassé, la pierre, elle va venir pour moi. J'entends ça. Je dis rien. Oh non, putain, les teubés. Là, il faut sortir, c'est tout. Je sors. Quand ça sort, donc vous continuez à balancer vos. Quand vous sortez de la pièce, donc vous êtes de nouveau dans cette pièce avec ces champignons. Ouais. Et bon, pareil, exactement pareil. Et vous entendez qui approche, qu'un peu plus loin, qui a l'air de venir des salles plus en arrière, un espèce de. Ok, bah là, du coup, je dis à tout le monde de s'arrêter comme ça. Et je dis, c'est quoi ce bruit? J'avance tout ça. Je sais pas, c'est. Eh, tu vois, je vous avais dit. Que... Mais non, c'est pas des bruits de pattes d'ours déjà. Non, mais qu'il faut faire attention, je vous l'avais dit. C'est trop bizarre comme bruit. J'espère que c'est pas des pattes d'ours. On avance doucement. Je passe devant. Vous restez derrière moi. Et vous barrez pas comme des fous, ok? D'accord, mais... Est-ce qu'on doit éteindre les lumières? Tu veux qu'on y voie rien? Mais si on y voit pas, ils nous voient pas non plus. Le feu, ça fait fuir les ennemis. C'est vrai que si c'est des animaux, ça leur fait peur. Ouais. Allez, bon, on avance. Ouais, mais alors on reste groupés. Hein. Oui, restez derrière moi. On avance à tâtons, d'accord. Du coup, j'avance devant, avec la torche et tout. D'accord, donc vous avez avancé, vous avez continué tout droit, basiquement, t'imagines? On voit rien, donc. Tout droit contre en suivant les murs sur la mur, donc en arrivant dans une pièce plus grande, si le mur cesse. Ah ouais, le mur, basiquement, il tourne à gauche. Ah, mais ça dépend si t'avais ta main à gauche ou à droite. Parce que si t'avais ta main à gauche ou à droite, il y a un autre couloir qui était juste à droite. Ah, c'est fou, j'ai admis que t'étais droitier. Ouais, mais mon perso est gaucher, donc il tient la main de sa sœur. C'est le poignet de sa sœur dans la main gauche. D'accord, ok. Il a le plus de force, donc il a la main sur le mur droit. Donc tu flues le mur droit, donc ça avance à plus à droite. Tu continues, ça continue d'avancer, ça revrit du coup sur la gauche, tu es en train basiquement de faire un tour de mur quoi. Et puis à un moment ça revrit sur la droite. On dirait une construction. Approche-toi du micro, pardon. Mais comment ça une construction? Je sais pas, touche, c'est tout lisse. Je touche. C'est effectivement tout lisse. Ouais, la pierre est froide un peu. Hé, hey, tu crois qu'on a découvert une cabane secrète? Ouais. Si ça se trouve. Oh, c'est trop bien, ce sera notre cachette secrète. Si jamais tu reviens ici, je te brise les deux jambes. Ça me paraissait beaucoup trop vrai. Mais c'est le principe d'une cachette secrète, c'est que les gens ils sachent pas. Mais quand je serai grand, je bétonnerai cet endroit, je m'en bats les couilles. Et du coup, moi je suis avec. Quand je serai grand, je ferai interdire cet endroit, comme ça il y aura plus jamais de sœur qui risque d'être bannie. Ouais, mais regarde, ils ont pas fermé les entrées. Ils sont bêtes aussi, les adultes. Oui. S'ils mettaient des cailloux devant, bah peut-être qu'on n'entrerait pas. Ouais. C'est vrai, ça, pourquoi ils ont pas fermé les entrées? Si elles sont si dangereuses. C'est trop bête, les adultes. Mais je suis inquiète. Quoi? Je les vois pas. Évidemment que tu les vois pas, il fait noir. Mais oui, mais justement. C'est bizarre, non, qu'ils aient disparu. Vous continuez d'avancer, j'imagine, pas relativement lent. On entend toujours les tac-tac Non. Si on n'entend plus les tac-tac, j'ai commencé à accélérer un peu. C'est de la pierre que je sens sous mes doigts, donc. Oui. Ils ne voyaient pas la lumière arriver. Un peu froide. D'accord. Bon, on continue, moi. Ceci dit, je vais quand même prendre très attention et essayer de dessiner une carte mentale de l'endroit. D'accord. Tu peux déterminer que tu es rentré dans une grande pièce et que tu as continué à suivre le mur qui continue dans un autre couloir, certainement à droite de cette pièce. D'accord. On continue. Fais-moi tous un test de perception, du coup, Mirov et Ivo. Alors, perception. Trois réussites dans le déclencheur. Une réussite.
Une réussite. Ok, toi tu entends du bruit des paroles qui ressemblent à la voix de Lubomira. Je vais dépêcher vous, je crois que c'est eux. Comment c'est ça, c'est eux? Eh bien, Mira et Vulk. Et là je commence à... Ils sont descendus. Chut. Sérieux? Et là je commence à aller un peu plus rapidement du coup. Ah oui, comment je fais? Oh Mira, t'es descendu. T'entends clairement la voix de Ivo qui est revenu derrière vous. Derrière nous? Ouais. Ouais. Oui. Bah moi j'ai entendu que Mira du coup. T'as pas entendu Mira, tu as entendu qu'on t'a dit qu'il y avait Mira. Okay. Mais j'essaie de faire demi-tour et de tirer mon frère vers. D'accord. Attends, reste contre le mur, je veux pas qu'on se perde. Je tape. Vous avez bien avancé, vous commencez à avoir de la lumière qui a l'air d'émaner un peu plus loin, ce qui a l'air d'un autre couloir. Je vais à leur rencontre. Ivo, où es-tu? Tu les vois, du coup, il y a Dragan, Mirov et Ivo qui tiennent du coup des torches. Avec, pour le visage de Dragan, un visage extrêmement heureux et victorieux. Et j'imagine que toi. Moi, j'ai oublié le marché, donc j'étais juste content en fait. Mais voilà, ça, lui, il est pareil, il est super content de ce qu'il a trouvé à l'instant. Qu'est-ce que vous foutez là? Entre Ivo et Dragan, c'est lequel le premier à qui j'arrive à la hauteur? C'est moi. Parce que Dragan, il est derrière moi. Ouais, une droite. En fait, en vrai, d'abord, c'est Mirov. D'abord, c'est Mirov. Ensuite, c'est moi. Ensuite, Junior Mirov, je prends le deuxième. Je marche très calmement vers le deuxième. Une droite. J'ai ah mince, il y avait. En vrai, normalement, quand je vois arriver Vulk, je fais ah mince, il y a Vulk comme ça. Et genre, je fais un pas en arrière, comme ça, en mode ah. Tu peux. Dans une droite. Bam. J'ai même pas le temps d'esquiver ni rien, je la vois pas arriver. Tu t'y attendais pas à celle-ci. Oh, putain. Fais-moi quand même un test de lutte, physique plus lutte, Vulk. On ne sait jamais. Si ça se trouve, il fait très bien. Il se pète la gueule. Non. 2-1. Ouais. Il te fait une petite droite. C'est ça, genre une droite d'enfant, quoi. Ouais, voilà. Même un peu plus faible, même faible pour un enfant. Ah ouais? Ça me fait pas mal, quoi. Non, c'est sur le principe, tu sais qu'il y avait une droite, quoi. D'accord. T'as abandonné ma sœur? Mais quoi, abandonner ma sœur? Elle s'est blessée par ta faute, vous l'avez abandonnée dans la forêt, tous les deux. Quoi? Mais non, elle a juste fait diversion pendant que moi je partais. Hein? Moi, je te vois. Rien qui va. En plus, c'était son idée. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté encore? Tu te fais manipuler, elle te ment toujours. T'es nul. N'importe quoi, ma sœur, elle me ment pas. C'est mauvais en mensonge en plus, peu. Vous l'avez abandonnée alors qu'elle s'était foulée la cheville. Vous étiez censé chercher des secours. Bah. Vous l'avez laissée dans la forêt toute seule. Bah non, on vous a juste vu parce que vous savez pas vous cacher au milieu d'une plaine et elle a proposé d'aller faire diversion et nous on a couru. J'ai rien proposé du tout. Tu peux demander à Mirov, il était là quand on a couru. Ben oui, je vous ai vu courir vers moi, ouais. Vous avez couru vers la grotte d'aller chercher les secours quand ma sœur elle avait besoin de vous. Bah non, le but c'est que vous ayez tous les deux à la recherche de. Mais elle a. De ah mais en tout cas, avec nous, elle allait vachement bien. Hein. Vous m'avez fait tomber. Elle m'a même demandé de lui ramener des trucs de la grotte. Mais ça c'était avant. Vous l'avez fait exprès. Bah oui, c'était elle qui a eu l'idée. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu mens, toi? Arrête je de mentir. Dessus pour tabasser. Bah, je lui demande, t'as fait exprès, mais bon, bah oui. Donc, mais t'es dans quel camp? Écoute, je lui saute dessus, hein, je vais essayer de le taper. Mais t'es dans quel camp? Faites-moi tous les deux, s'il vous plaît, un test de psyché et réactivité. D'accord. Parce que l'initiative. Oh, sérieusement, quoi, sur 4D, j'ai aucune réussite. 3 réussites. Il y a des déclencheurs ou pas? Non. Ouais, 3 réussites. D'accord. J'ai pas fait de déclencheur encore cette partie. Si, j'en ai fait un, je crois. Du coup, que fais-tu? J'essaie de le taper. Ok. Alors moi, je me suis pris déjà une droite. 4 réussites. Moi, si je vois mon frère qui rush sur Ivo. Sachant que je suis déjà encore à corps d'Ivo. Hein. Moi, je me suis déjà pris une droite, donc quand même, je le. Ok. Attends. Pour que ce soit du bon côté, normalement, je dois inverser par rapport à ce qui se passe en vrai. Ouais, c'est bon là. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, tu veux lui mettre une droite. Fais-moi, s'il te plaît, un test de physique plus lutte. Je le mets de côté, hein, je précise. Un déclencheur et un échec. Tu essaies de bloquer, d'esquiver. T'as fait exprès de blesser ma sœur, je te déteste. Il va vraiment mettre une droite ou il essaie de me choper à corps à corps? Mets une droite. De me mettre une droite? Ouais. Je peux, me baisser. C'est de l'esquive, ouais. Bah j'esquive en me baissant. Moi, ça c'est d'agilité plus mobilité, s'il te plaît. Agilité plus mobilité. Hop là. Allez. 4 réussites. Ouais, d'accord. Tu te baisses. Hop, un coup dans le vide.
Et du coup, j'ai relancé moi l'initiative. Donc j'imagine que là, à partir de ce moment-là, tu rentres en combat, Lubomira. En fait, je veux rentrer dans le combat, mais je me souviens rapidement que j'ai mal à la cheville. Alors vous deux, relancez moi votre initiative. Et que cette fois, c'est possiblement. Non, après, je vais pas faire durer ça 10 ans. Je vais continuer à l'insulter jusqu'à pas arriver à le toucher parce qu'il a 6 dés pour esquiver. Moi, j'en ai 2 pour toucher. J'essaie de parler, mais il me provoque. Donc. Pour les calmer, je mets la torche entre les deux. Attends, là. Une torche. Il a pas eu plus ou moins à côté de vous. Bah, on se calme. Là, on sort, là. Il a fait exprès d'avenir. On peut pas sortir. Mais il a fait esprit de quoi ? Il y a les grands, en fait, qui sont dehors. Quoi ? Il y a des chasseurs qui sont venus. Et ils nous ont vus. Ok. C'est pour ça qu'on est là. Et on a toujours pas de corde. Bah, moi j'ai de la corde. Mais on oui, peut mais pas sortir par là, il y a les chasseurs qui nous attendent. Et j'ai pas envie que ma sœur se fasse bannir à cause de vous deux. Mais moi j'ai envie de vous dire, on n'a pas encore été par là, peut-être qu'il y a une autre sortie, on sait jamais. On n'a pas fait les portes. En montrant le côté que vous étiez en train de vous rendre là-bas. Dit, ah ouais, mais on n'a pas fait les portes. J'ai regardé. Quelles portes ? Non, mais les portes, laisse tomber, elles s'ouvrent pas. Hein. Même à plusieurs. De quoi vous parlez là ? Non, mais on a exploré un peu, c'était cool. On a commencé à explorer. Et j'ai dit, non, mais attends, mais Dragan, moi j'ai regardé dans ton machin bidule là, dans ton cercle. Le truc que t'as cassé ? Non, on peut le réparer, regarde, il y a le sac. Taisez-vous ! Il faut qu'on y aille parce que la nuit tombe dans une demi-heure. Mais si on peut pas sortir, on peut que aller là-bas. Il faut qu'on aille regarder là-bas, mais on arrête de se disputer. Mais on y va. On peut pas essayer de réparer le truc de. Non. Attends, c'est quand même sympa. C'est ta tête qu'il faudra réparer quand on aurait fini avec toi. Attendez, mais respecte ça. Pour une fois, Mireille veut pas se battre, elle veut avancer. Je vais continuer à me battre si jamais vous avancez pas. Ah, en fait, c'est toujours Mireille. Je sors le cercle et je commence à essayer de le. Enfin, moi, c'est pas fini. Le cercle, c'est pas toi qui l'as. Si. Personne. J'ai dit que je l'ai récupéré. Non, c'est Dragan qui a récupéré son cercle. Ah, ok, bon, justement, j'avais dit je le prends et je le dis qu'on allait, donc c'est pour ça, bon tapis. Du coup, je dis passe pour le cercle, je vais essayer de le réparer. Mais t'avais pas réussi tout à l'heure. Bah, autant qu'on avance. Mais là, on est au ouais, calme. Ouais, non, mais on avance là, on en même temps, c'est pas grave. On avance. On est à un endroit qu'on connaît. Il nous reste 30 minutes avant la nuit, si on doit trouver un chemin pour sortir, on cherche. 2 minutes et si je vois que ça marche pas, je te le rends. De toute façon, tu pourras pas le plus le casser Caïvo, quoi. Je te jure. Tiens. Moi, je leur dis qu'on avance et il le réparera en marchant. Ok, d'accord. Test d'intellect. Intellect plus connaissance des artefacts. Allez, mon gars. Fais le mâcher. Ça doit nous servir là en plus. Comment ça avance ? De réussite. De réussite. La lumière se rallume et puis tu vois une espèce de carte pareil. Wow. Allez, bim ! Tu vois, je t'avais dit que je l'avais pas cassé. C'est qui l'a réparé là ? Mais il l'a pas réparé, c'est juste que je t'ai pas cassé. Donne-le moi. Je peux récupérer ma torche ? Et puis récupérer un truc. Ouais, mais c'est pas comme avant. Ah ouais ? Avant ? Bah non. Fais voir. Regardez. Il vous retourne. Ouais. Et du coup, c'est pas comme avant, effectivement. C'est plus juste comme un visuel quand tu passes. Maintenant, on dirait juste une carte vue de haut. Ah, on a activé le bouton start. Oh, c'est un autre mode. C'est vachement plus clair. Ah, et du coup, alors je regarde et moi je dis attends, moi j'ai bien regardé partout. Du coup, j'étais de pouvoir reconnaître et me repérer. Alors toi, je te le rends vraiment jamais. Bah alors tiens-le moi devant. Il l'a cassé. Que je regarde. Il l'a fait tomber. C'est notre seul espoir de sortie. Il faut pas lui donner. Il y en a non. Il y en a un qui tient. Tu vois, je ferais même plus confiance à toi qu'à lui. Oh, mais... Il y en a un qui tient la torche de Dragan et moi je me mets à côté pour l'éclairer et regarder. Moi je prends la torche de Dragan. Écoute-moi Dragan, en vrai j'ai beaucoup regardé et du coup je connais les environs, mais si tu veux tu me le tiens et moi je le regarde juste par dessus. Tu fais que des conneries, Ivo. Mais c'est toujours toi qui mets les autres dans les ennuis. Allez, on y ça va. Hein. Bon, là on y va rapidement hein, parce que là j'ai envie de rentrer. Mais je peux regarder quand même le. Moi je commence à avoir faim là. Oui. C'est l'heure du ragoût ce soir. Je peux regarder la carte quand même. C'est notre seul espoir de sortie. Non, tu t'en approches pas. Mais je le touche pas. On y va Dragan. Vous commencez du coup à vous réavancer bien. Vous voyez sur votre gauche une salle. Il y avait l'air d'avoir une salle ouverte avec pas mal de caisses dedans. Oh ouais. Ah ouais. Je regarde un peu à côté du coup de Dragan la carte, comment ça s'affiche. Ouais, moi aussi j'essaie de regarder par-dessus son épaule. Alors vous pouvez voir que sur le côté il y a l'air d'avoir une caisse sur. Bah déjà ça représente beaucoup de choses, donc le temps. Fais-moi tous les deux un test d'orientation pour vous repérer sur la carte. Allez. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Faire instinct plus perception, instinct plus perception également. J'ai fait une réussite, un déclencheur. Deux réussites, deux déclencheurs. Réussite. Trois réussites, un déclencheur. Oh, d'accord. Donc toi, tu cherches dans les caisses comme ça. Toi, tu vas arriver au fond au niveau des caisses. Puis tu vas voir une qui a été à moitié ouverte. Tu vas soulever le truc et tu vas voir dans ces caisses-là quelque chose d'assez particulier. Ça ressemble un peu à. C'est un peu blanc. On dirait. Une matière que t'as jamais vraiment trop vue, ça ressemble un peu à une lance, vraiment portable. Tu le prends ?
tu prends. Attends, c'est bon. Tu vois sur le côté. C'est vraiment très très léger. Wow. Et en regardant bien autour, tu vois qu'il y a l'air d'avoir un espèce de bouton à presser. Mm-hmm. Et quand tu appuies dessus, ça la déploie à une espèce de longue lance. Wow. C'est extrêmement léger. T'as jamais vu quelque chose d'aussi. Et quand tu touches, c'est extrêmement solide également. Mm. Et c'est extrêmement léger. T'as jamais vu des choses de cette qualité dans votre village. Et regardez, c'est trop bien, c'est trop bien. Quoi ? C'est énorme. Ouais, du coup, j'ai réussi ou pas l'orientation ? Attends, et du coup, avec la lance, j'essaie d'ouvrir les autres caisses. D'accord, ok. T'as fait combien ? Deux réussites, donc deux déclencheurs. D'accord. Moi, j'ai fait deux réussites avec un déclencheur. Tu te retrouves sur la carte, effectivement, vous vous retrouvez tous les deux sur la carte, et vous voyez qu'au niveau des pièces, il y a l'air d'avoir plusieurs pièces dans le couloir par lequel vous vous rendez. D'accord, et il y a l'air d'avoir une sortie ou pas ? Je ne pourrais pas dire exactement, t'es pas expert en lecture de cartes pour l'instant. D'accord. Peut-être. Bah, j'ai entendu Mira gueuler et je vais direct la rejoindre. Quoi. J'ai pas le droit d'avoir une arme sans que moi j'en ai une. Et tu vois ce truc là qu'elle est en train de jouer avec. Si j'ai une arme, c'est pour te tabasser. Il y en a une deuxième ou pas ? Il y en a d'autres ? Fais-moi un test s'il te plaît de instinct plus perception. Ok. Deux réussites. Deux réussites, tu cherches. Non. Mais j'essaie d'ouvrir les autres caisses, je tape dedans et tout. Je fais non, mais attends, je vais en avoir une aussi, c'est pas juste. Non, tu trouves rien de spécial. Même en cassant les autres caisses ? Ouais. Genre ! Cassant les caisses, ça fait tellement jeu vidéo. Bah oui, justement, là, je suis en mode cassage de caisses. Toi, t'es toujours avec ta. En plus, c'est cool vu qu'elle peut se rétracter, elle te pose pas trop de problèmes en fait quand tu te dépasses. Je vais essayer de. Par contre, vu que Mira a ouvert d'autres. Les caisses, je vais essayer de comprendre ce qu'elles contiennent en fait. Là c'est de la nourriture, c'est des vêtements, là c'est des... Alors dans les caisses, tu remarques que la majorité sont vides et contiennent comme des espèces de... Une substance un peu blanche qui a l'air de s'effriter quand tu la touches. Je la touche pas. D'accord, une substance un peu blanche qui tu peux voir qui est un peu effritée à certains endroits. D'accord. Qui a l'air basiquement de protéger des choses qui devaient se rendre... qui devaient se trouver ici avant. Ah ok, là je comprends. Si, je vois ce que c'est. C'est... Ok. Collier Amazon quoi. C'est actuellement. Attends, c'est des grosses caisses en bois après, c'est pas des caisses en carton. Colissimo abandonné. Est-ce que vous avez découvert des trucs avant ? Mais on a découvert une salle avec des champignons qui avaient poussé d'une manière assez bizarre. Ouais, c'était des plantes trop stylées, ça faisait une forme et tout. C'était un triangle et à l'intérieur il y avait une sorte de rang et il y avait plein de petites piques sur le triangle. Mais c'était trop bizarre parce que c'était genre des plantes qui avaient poussé. Ça vous dit absolument rien d'entendre ça, hein. Vous avez jamais vu ni entendu parler de ça. Par contre il y avait beaucoup de poussière dans la salle donc on n'est pas resté trop longtemps. Ouais, il y a Dragon, il a failli s'étouffer. Ah ouais, non mais c'était... Ouais. Mais j'ai trouvé quelque chose aussi. Il n'y a jamais de maman qui passe faire le ménage ici. C'est ah non, vrai. Pardon, non, matriarcat. Il y a jamais de papa qui vient faire le ménage ici. Merci beaucoup. Du coup, je regarde avec Draken la map, enfin la carte, et je fais bon, il y a qu'un seul passage, hein, on continue. Ouais, mais regarde, juste à deux pas ici, il y a une porte à droite, il y en a une autre pareille, une salle à gauche. Il n'y a pas un endroit où ça montre une sortie, sa carte ? Bah, je sais pas, j'ai jamais vu de carte. On comme va ça, voir la salle à droite. Bon, on continue, hein. Pareil, la salle à droite ressemble vachement aux portes que vous aviez affrontées dans l'autre. Elle, on va dire. Bon, là, on est 5, on peut tenter de la pousser et d'ouvrir à 5. Ouais, moi, je vois Mira et sa lance, je fais, mais c'est pas juste. Mais si, regarde, attends. Avec la lance, essaye. J'ai trouvé un truc trop bien, regarde. C'est dangereux. Mais non, mais avec le derrière. D'accord, de la tu lance. Vois, elle te montre la lance comme ça, ça ressemble basiquement à une espèce de matraque en fait, comme ça. Mmh. Elle te regarde comme ça, et d'un coup, tu vois, ça. Et puis ça te fait un coup au niveau du front, ça se propage. Ah. Ah là, je me prête à lui donner un coup de poing, mais comme il y a son frère à côté, j'arrête. Bon, on va tenter d'ouvrir cette porte là. Ouais, mais ça, on a essayé plein de fois sur le. Ouais, mais là, elle a la lance. Mais on n'utilise pas des lances pour ouvrir des portes. Ah bah, je suis c'est d'accord, pas des clés. Une fois avec lui. Bah, mais tu utilises la pression de la lance. Mais on va la casser. Mais non, ça a l'air d'être solide. Non, mais regardez, on non, est regarde, elle casse même pas la tête à Ivo et pourtant il y a rien dedans. Alors, par contre, là-bas, c'est ouvert aussi. Hein. Ouais, on va plutôt au truc ouvert, ça a rien d'essayer d'ouvrir les portes, on essaie de sortir de toute façon. Donc, vous allez dans le. Partie ouverte. Ouais. Donc ça ressemble pareil, c'est la même configuration que la pièce avec l'autre caisse, c'est pareil, c'est rempli de caisses. Disposées sur des étagères un peu plus petites, celle-ci. Je regarde s'il y a une sortie. C'est moi un test d'instinct plus perception, non, c'est vraiment des caisses. J'essaie d'ouvrir les caisses. Des salles cloisonnées, là, c'est vraiment, tu rentres dans une pièce, c'est comme des dépôts en fait. Une seule ? 4 réussites. Bon, bah du coup, j'ai une réussite, il y a que ça à faire. Une réussite. Ok. J'essaye de fouiller aussi. Faut faire quoi comme des ? Perception et instinct. Perception et instinct. 3 réussites dans 2 déclencheurs. Ok. Mira, tu regardes dans les caisses et tu vas finir par trouver une espèce de
cube bizarre. Je prends. D'accord. Trouver une grenade, quoi. Grenade flash. Eh, regardez, regardez. Moi, je m'approche direct, je fais waouh, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi, du coup ? À un cube. Intellect, connaissance. Ça a une couleur ? Ouais, s'il te plaît. Je regarde. C'est transparent. Un cube transparent ? Une réussite. Une réussite. J'en fais un aussi, moi, quand même. Une réussite. Une réussite. Bah, allez-y, si vous voulez essayer de comprendre. Allez. Une réussite. Mm-hmm. Une réussite aussi. Peut-être avec les trucs que j'ai récupérés avant et tout ce qu'on a vu avant, non, ça me dit rien. Si t'as peut-être les mains prises. Ah, tu fais ça ? Ouais. Ok, tu fais ça, et d'un coup, ça émane une grosse lumière, comme si c'était une lampe. Comme une lanterne. C'est trop cool, c'est une lanterne portable, on a encore plus de lumière. Là, par contre, c'est vraiment ça, outrepasse vraiment la lumière des torches. Ah ouais, ça fait vraiment une très grosse lumière. Ça fait une lumière bien plus puissante et bien plus stable. Parce que les torches, ça vacille et tout. Ouais. Ah, je dis, mais trop cool, maintenant, on pourra encore plus. C'est trop bien, Mira. Je garde la torche parce que je sais pas comment ça marche, ce truc, donc ça se trouve, ça peut... Ouais, non, mais de toute façon, on garde les torches, hein. Même si ça nous sert pas. Hein. Et du comme coup, toi. Je continue à fouiller et... Je prends sur moi pour l'instant, mais il y a un moment... Bon, allez, là, on s'éternise pas, quand même. Il y a rien d'autre dans les caisses, du coup. Et après, il y a pareil, c'est essentiellement des trucs vifs. Vous avez des mêmes trucs de cubes, mais qu'on les recassé. Ok. Abîmé. Okay. Bon, ben on continue. Hein. Allez, faut sortir. Casser. J'en prends un et je vais voir ce qu'il y a dedans. D'accord. Tu vois, il y a l'air d'avoir un espèce de liquide qui s'en est échappé, qui s'est répandu un petit peu dans la casse. Du lithium. je regarde le liquide et je regarde. Enfin, non, s'il a pas dit. Non, je t'ai pas dit. Je vois que c'est cassé. Je vois que c'est vide non plus. Donc je. Bon, moi, c'est rien d'intéressant. Il reste un petit peu de ce liquide au fond, mais c'est tout. Bon, on continue. Okay. Vous continuez ? Yep. Et vous continuez, et puis vous arrivez du coup devant un couloir. Au bout d'un couloir où ça part à droite et à gauche. Heureusement qu'on a une carte. Fais voir la carte. Je regarde du bout de la gauche et de la droite. Au niveau de la gauche et de la droite, les deux ont l'air de se rendre vers d'autres salles. Sachant que à droite, ça se rend vers peut-être une multitude de petites salles à côté également. Il n'y a rien qui indique une sortie. Et vers la gauche ? Pour l'instant, non. Et vers la gauche, ça va prendre vers quoi ? Vers la gauche, il y a aussi ça montre des tunnels un petit peu plus longs, qui a l'air d'indiquer aussi faire une grosse salle également. Mais je dis, mais après, si on prend vers la gauche, on va rejoindre l'autre centre qu'on était avant, non ? Moi, genre, autant aller vers la droite. Je regarde s'il n'y a pas de moyen de rétrécir la carte. Je sais pas comment. Fais-moi, s'il te plaît, un test de intellect plus connaissance des artefacts. Yes. Intellect tactile. Une réussite. Non. Okay. Bon, moi, j'ai pas le droit de toucher. Où est-ce que vous allez à droite ? On peut d'abord aller à droite et puis après, s'il y a rien. Moi, je propose qu'on aille à droite parce qu'il y a plein de petites salles et peut-être qu'on trouvera d'autres lampes et des trucs utiles. Oui, mais là, faut sortir, sinon on va louper le repas. Bah oui, mais. Oui, mais autant aller dans tous les cas, on se dépêche d'aller à droite. Ouais, on fouille partout. D'un autre côté, si on sort de nuit, on sera plus discret. C'est vrai. Moi, je sais juste, je sais, mon père, il me dira juste, c'est pas bien que je sois pas venu pour le repas, mais après, bon, il va peut-être me punir un petit peu, mais. Bah, en tout cas, il faut qu'on se dépêche parce que si. Moi, je dis, ça vaut le coup, si. Parce que moi, j'aimerais bien aussi avoir une baguette portable qui grossit. Ouais, j'avoue, c'était vraiment pas à dire. En le disant, je me suis dit, y a un truc qui va pas. Nous sommes trop jeunes pour comprendre. C'est tout on continue à droite. Je dis, bon, tout le monde veut à droite, on va à droite. Let's go. Ok, vous allez à droite, du coup. Vous avancez, vous arrivez du coup dans des endroits où ça a l'air d'être. Il y a un long couloir qui continue, ça va à gauche puis à droite, puis ça continue un couloir et puis il y a des portes un peu de chaque côté. La première, si vous juste vous regardez, vous voyez, ça a l'air d'avoir des casiers. D'accord. Des rangées de casiers sur les gros tout. Vous voyez, ils sont tous à moitié ouverts. Au niveau des noms, vous voyez différents noms, du type par exemple Adrian, Yann, Roman, Agatha, Ilona, ce genre de noms. Je vois, c'est des numéros. Il n'y a pas de numéros. C'est juste des noms sur des casiers, comme c'était étiqueté. Je regarde des noms qui commencent éventuellement par la lettre H. Ah oui, comme ce qu'on avait vu, ouais. Il n'y a pas de noms qui commencent par la lettre H. Ok. Et s'il n'y a rien dans les casiers, fouillez-toi. On continue, je dirais. C'est plutôt vide, un peu comme si ça avait été abandonné pendant. Il y avait des gens qui habitaient dans cette cabane avant. Ouais. Vous avancez, à droite vous avez une autre porte avec vraiment comme des espèces de très très grands dortoirs avec beaucoup de lits qui sont. Wow, ouais, pareil, très grande maison. On fouille rapido, ouais. Mais bon, s'il y a rien. On continue. On fouille rapido, genre les casiers éventuellement. Il y a pas mal de poussière qui est sur les endroits. Il n'y a pas d'objet qui est petit qu'on peut prendre. Fais-moi un test de perception s'il te plaît. Moi je vois s'il n'y a pas des casiers à ouvrir rapido et après. J'aimerais essayer de. Échec critique. Non, rien du tout. Ok, bon, bah, y'a rien en de
regarder les lits, en fait, essayer de voir en quoi ils sont faits. D'accord, ça a l'air de... Si je identifie ça comme des lits ou si c'est des matériaux que je connais pas du tout. Alors, il y a pas mal de choses que tu reconnais pas spécialement au niveau de la manière dont c'est façonné, mais oui, ça ressemble vraiment à des lits que vous utilisez un petit peu quand même. Le matelas, ça ressemble... Par contre, au niveau de d'endroit où les gens sont couchés, ça ressemble pas du tout à ce que vous avez, vous. Ah bon. C'est un peu moelleux, c'est étrange. Quand tu appuies dessus, ça s'enfonce très légèrement. J'essaye ça garde la forme de ta main pendant quelques instants et puis ça remonte légèrement. Ouais, ils sont des matelas. je l'essaye et tout, moi. Je m'y allonge. Ça a l'air chouette ici. Wow, on n'a pas le temps de s'allonger, on y va. C'est méga confortable. Hein. Tiens, tu veux sortir maintenant? Bah oui, parce que j'ai envie de manger. Ouais, essayons de trouver à manger. Décidément. Moi je continue. D'accord, tu continues, tu vois, il y a une espèce de pièce juste après, c'est une espèce de douche, mais vraiment des beaucoup, grosses douches collectives, énormément de douches, et il n'y a pas d'eau qui sort quand tu appuies. Et au niveau de cette évacuation centrale qui était censée avoir, il y a ce que les autres vont reconnaître, un espèce d'immense mandala de champignons, avec des très 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 gros champignons qui ressemblent du coup à ceci, c'est rond. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un test de... La physique plus résistance. Confirmed, quoi. Plus aucune... Depuis le début, Confirmed. Deux réussites dans un déclencheur. D'accord. Deux réussites avec un déclencheur. Deux réussites dans deux déclencheurs. Excusez-moi. Physique et résistance. ED. Trois, s'il te plaît. Non, ça va quand même. Bah... Deux réussites dans un déclencheur. D'accord. Je résiste plus. Que fais-tu du coup, Lubomir? Moi, je voulais le dessiner, en fait. D'accord. J'avais, je sais pas si j'avais vu qu'ils avaient des papiers. Moi, j'ai pris du papier. J'ai passé un petit peu du sac, même de Dragan, qui n'est pas. On a pris du papier dur. Voilà, bah pour. Tu as du papier vachement résistant. T'arrives pas à le déchirer. D'accord. Bah, je vais prendre, je sais pas. Il doit y avoir du charbon quelque part ou. Oula. On a rien pour dessiner. Elle est bizarre, la forme de champignon. On n'a pas vu des stylos. T'as vu, c'est le champignon qu'on avait vu. Ouais, c'est pareil, comme je le décrivais tout à l'heure, assez étrange. Et on a. Ça a l'air vachement joli quelque part. Ça dessine de forme. Mais de là. Celui qu'on avait vu, il était encore plus gros. Non, lui, il est vraiment plus gros. Il est sur le sol, il prend vraiment presque toute la place. Celui qu'on avait vu, il était plus petit. Moi, je sais pas pourquoi, mais je me dis que je vais chercher un stylo. Je sors de la salle et je regarde s'il n'y en a pas d'autres salles où il y a vraiment des bureaux pour choper un stylo. Il y a Adrien qui fait vos avis, ça fait quoi si on touche? Ouais, vas-y. Je m'écarte un peu quand il fait ça. T'es plus là, toi. Ça a l'air un peu beurre quand même. Oh, je sais pas, ça a l'air joli, moi perso. On peut pas essayer avec ta lance? Ah ouais, vas-y, touche-le avec la lance. Imagine, ça l'abîme. Bah, c'est pas grave. C'est à personne. Pourquoi on le touche pas avec ton disque? Eh, d'ailleurs, Ivo, t'as pas dit que t'avais faim? C'est des champignons, ça se mange. Mais mon papa, il a dit qu'il y avait des champignons qui étaient pas bons. Et en plus, Mirof aussi, il a dit qu'il y avait des champignons qui étaient vénéneux. J'ai pas envie de goûter. Je veux bien le toucher, mais pas le goûter. De toute façon, les torches, elles servent plus à rien grâce au super cube de Mira. On a qu'à lancer un bâton dessus. Bah ouais, vas-y, lance une torche dessus. Non, un bâton. Moi, pas une torche. Imagine, ça brûle. On va quand même pas faire brûler ça, c'est joli. Bon, t'imagines, les gens qui sont embêtés à le dessiner et nous, on arrive, on casse tout. Mais après, ça a vraiment l'âme naturelle, pas du tout fait de la main de l'homme au niveau de l'emplacement. Ouais, mais est-ce que moi je peux imaginer que c'est naturel? Bah, ça a l'air d'avoir poussé. Il y a pas de choses qui disent que ça a été contrôlé dans la manière dont ça a poussé. Il y a rien qui montre que c'est de l'agriculture contrôlée. Ça a vraiment l'air d'avoir poussé naturellement comme ça. C'est pour ça que c'est fascinant mais perturbant en même temps. Ok, d'accord. Bon, bah, je dis allez-y, on lance un bâton dessus. Et on va s'arrêter ici pour ce soir. Sur les expériences contre les champignons. Exact. J'espère que vous avez apprécié cette session. Oui. Que ce soit vous les joueurs ou même vous dans qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. J'ai enfin de quoi taper à Ivo. Une excellente lance. Une excellente partie, moi, je trouve. Eh bien, tous les joueurs ont daigné descendre au final. Ça a été élaboré. J'aimerais qu'on ait plus de temps quand même. Ouais, mais. J'ai pas l'impression qu'on avance. Ça sera la prochaine fois. La prochaine fois, du coup, la semaine prochaine. Exactement. Ouais. Pour la suite de cette exploration de ces souterrains. Peut-être de plus en plus mystérieux pour vous, j'espère. Et on aura la grande salle.